Yes. C'est bon. J'arrive au 41, 71-41, comme c'est là. T'as deux polices à côté de toi. Je sais, mais ils ont l'air d'être pressés. Ils ont l'air pressés. Ah. T'avais besoin d'aide? Ouais, j'aurais besoin d'un lift jusqu'à l'hôpital. Vas-y, vas-y, tu peux monter. C'est bon, je me suis trouvé un lift, Sophie. Parfait, je retourne à l'hôpital. J'avais quelqu'un qui voulait postuler pour être un MS qui m'attendait. C'est bon. Attends, je vais juste attendre mon collègue. Je sais pas, il fait quoi. Ben oui. Est-ce que tu voulais que je m'assoie derrière? Non, tranquille, tranquille. Ouais, c'est ça. Je me suis réveillé dans la mauvaise maison, puis... Ah, moi aussi. Depuis 2 jours, je me réveille dans la mauvaise maison. C'est ça, juste un petit peu plus haut ici. Hein? C'est ça, c'est ça. Je vais vous le déposer parce que je sais pas il fait quoi. Il va se demander pourquoi tu pars comme ça. C'est ça, c'est ça. Mais après il a la radio. Hein. Oh oui. KO. Bon, moi c'est un petit peu plus rapide en voiture qu'à pied. C'est ça. Hein. Ah, c'était ici. Je me trompe tout le temps. Ouais, c'était ici. Dans le bureau, je vais passer l'entrevue. Voilà, parfait. Merci beaucoup. Pas de soucis. À plus. Bonne journée, hein. Bonne journée. Ouais. Je te présente. Comment c'est? Caillou, c'est tu vraiment ton prénom ou? Ben non, je m'appelle Dwayne. Ton surnom, là. Je m'appelle Dwayne. Bon, ben voici Jonathan. Moi, c'est Sophie. On est les deux directeurs de l'hôpital présentement. Parfait, enchanté. Okay. On va aller dans le bureau, puis... Tu sais, je te donne les clés de l'auto au cas où, Joe. Ouais. Je l'ai pas upgradé, rien encore, là. OK, je vais aller le faire dans le PDK. Ouais, c'est ça, je vais te donner mes clés. Au besoin, tu vas pouvoir le prendre. C'est bon, je te laisse avec...
je prends le câble. Merci. Tabarnak! Oh! Sacrement! Allô, allô. Allô. On peut prioriser la madame. La madame, ok. Ouais. Moi, ah, c'est la maman. C'est la ouais, patronne. C'est ma mère, je veux qu'elle s'enlève. C'est bon, on va la relever, ben, dans pas très très long. C'est bon. Ça, c'est ma mère, ça, c'est mon père, puis lui. Lui, c'est. Non, c'est ton cul ou c'est mon oncle? C'est mon esti de mon oncle sale. Ah, ok. Non, il est pas sale. Hey. Hey, c'est quand même le frère de ton père, hein? Ah, c'est vrai, excuse-moi, papa. On va le frère. Ouais, ben, il y a des fois qu'on a des frères bâtards. Ouais, mais lui, c'est pas un bâtard. Ah, ok. Hey, écoute-moi bien, esti de vieux sale. On va pouvoir se relever d'environ 7 secondes, mademoiselle. Ah, ça, c'est des chars-là, ça voilà, va marcher, on va se laver tout doucement. Oh, merci. Mais de rien. Hein? Avez-vous mal à une autre place, madame? On l'essaie-tu? Non, merci. Non, merci. Je vais juste vous faire votre petite facture. Il va falloir de la... Il va falloir de la facture à qui? C'est bon, je vais parler. Père. Et voilà, Lucky, t'as eu la facture. Yes, fais-moi les pour lui aussi, pour mon frère. C'est bon. On va commencer par l'élever. On va juste le bouger parce qu'il est un peu mal placé. Fais un petit cadeau, mec, s'enlève. C'est pas toi que je le fais, inquiétez-vous pas, mais monsieur l'infirmier, c'est à lui. Mec, s'enlève. Ok. Fais-tu bien longtemps qu'il est couché, lui, ou... Ah non, il vient, ben quand même, un petit 3 minutes. Ouais, ben, il se pose d'avoir plus de temps, hein? Je réussis comme pas, c'est bizarre. Ah, il a pogné en feu tantôt. Ok. Je sais pas trop pourquoi. Je pense que ça va me prendre un aide divine pour lui. Un aide divine pour toi, t'as-tu compris, Manon? Bon, ce sera pas long, je vais juste faire la CPR. Ah, oh, yes sir, pa, yes sir. Ah, y'a un peu, moi j'ai une autre affaire, pa, tiens-moi. Ça y'a celle-là. Ah ouais, ah ouais, ah ouais!
T'as peur, fais-moi là, fais-moi là. Essaye d'y soigner ses blessures, ses brûlures, là. Ouais, c'est ça, il a besoin de l'aide divine. Ouais, mais t'es où, toi? À côté de toi. Ah, ouais, ouais. Là, qui il a besoin de l'aide? Ah, il a besoin d'aide? Ouais, c'est ça, c'est ça que j'ai depuis tout à l'heure, pis... Et voilà. Tabarnak. Hey, mon MS. Yes. Ouais, tu fais de la bonne job, récite. Non, je récite. Non. Oh, tabarnak. Ça a été assez instantané, hein? Aïe, okay. Est-ce que t'es correct avec les câbles? Oh, oui. Okay. Ouais, il cite oui. Oh, on va les pogner, hein? Non? Je reçois des câbles, là, mais... Les nouveaux câbles... Les nouveaux câbles, tu peux-tu les pogner? Parce que je t'avais d'en avoir un autre site. OK. Je lui amène la personne avec moi. C'est bon. Hey, fais-moi une facture de 5 000, au pire. OK, il va falloir t'en soigner, là. Fais-moi une facture de 5 000, la compagnie, là. Je vais... Oui, et voilà. Ouais, c'est ça, ça arrive à tout le monde, ça. Hey, papa! 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 Il me pisse dessus, papa! Non! Chris de ma langue, allez. Hey, toi, va te tirer, mon esti de vie, Chris! Ben non! Hey, check-moi bien quand je me lève, esti! Ah, bah, je viens de me casser, lisser les mains dans la pisse. Ça, pendant que le laisser vider. De son. Il va falloir changer mes gars après, hein. Petit Chris. On a pas été élevé comme les autres, lui. Papa me levé! Papa me levé! Ça glisse trop, y'a trop de pisse, vieux calice. Sans plein ça, j'ai de la misère à faire mon massage. Vieux Chris de singe. Lui là, tabarnak. Papa, Chris le hâte de la maison. Et on va pouvoir se lever dans deux secondes. Je peux le voir chez nous. Et voilà, on peut se lever bien doucement. Mon astuce, toi, mon tabarnak. Je reste encore proche ou pas? Reste proche, mon homme. C'est bon, mais je vais me tosser quand même un peu. C'est bon, j'y vais. Yep. C'est d'accord, là, je le pogne. Hey, mon asti de crotté. Ça va durer longtemps, tu crois? Salut du garagiste. Ah, c'est ça, moi, je suis au 70-40 environ, puis je vais rester là un petit peu. Gros crotté. Ah, 30 secondes, pas encore passé. Ils vont te faire un test GSR, ils vont te faire embarquer, mon esthétien. Bon, on va soigner les petites blessures, toutes les échymoses et tout. T'entends pas, Loki. Pour une fois, il y a une voix douce. Faut aller se cacher, faut aller se cacher, il peut arriver. Non, ils sont là. Madame Ande est arrivée sur lieu. Un civil. Hey, what's up, ça va bien? Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Oh, oui. Il a glissé sur une peau de banane. Okay. Il y a un problème, mais c'est pas ce que vous croyez. Nous, on va se relever dans 3 secondes. Des tirs de feu. Oh, ouais. Et voilà. On n'a pas vu personne, là. Merci beaucoup, monsieur l'AMS. C'était le voisin en face, c'était un freak, là. Puis, tu sais, partout dans la tête, on chasse. Moi, j'irais chez eux.
Ok, ok, je vais aller faire un petit tour. C'est good, oh, bien sûr. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur, comment vous sentez-vous? Mets-toi mon sac. C'est une mal élevée. Pardon. Tu t'as les pris bien comme font des deux yeux, mon père est pas mal plus bien élevé que toi. Putain, ils ont dû être élevés par la même personne. Je sais, si, mais ils se sont plus consacrés sur lui. Si toi, ils ont chopé sur le bord de la porte. Ok, lui, ils ont donné la petite volée pour qu'il comprenne, puis pendant que lui, non. Exact. Et lui, là, quand il est donné, là, il a échappé sur le bord du lit. Je pensais qu'il l'avait percé juste trop proche du mur. Arrête. Non, arrête, c'est beau. Ah, c'est ça, il a vraiment les polices à côté. Puis... Faudrait que tu comprennes un jour que je tombe en ongle, je fais un esti de fuck off. J'ai un esti de calice. Hey Lucky, tu voulais-tu que j'aille. Je retourne ou pas, ou je reste proche? Bon, t'entends. Non, c'est bon, c'est bon, on va arrêter. T'as comme un petit problème de voix. Hey, tu veux-tu en refaire pour de vrai? Même t'as calé, j'ai rechargé mon gun, mon sac. Hey! Tu vas faire attention avec toi. Où je m'envoie les bœufs pis je leur ai dit de t'arrêter, mon asti de craté. Ben oui, moi j'ai mon VPA, pas toi. Pas toi. Oui. Con. Ben des couilles. T'es trop vous m'entendez-tu bien, là? Là, oui. Hey, là, t'entends. Là, on m'entend, là? Oui! Ouais, t'es trop fort! Non, ben parfait. Non, t'es juste correct, bonne fois. Bon. C'est good. T'avais-tu encore besoin de mes services? Non, tu vas pas être disposé. C'est bon. Tantôt, mais je t'accrois, je vais te donner un beau cadeau. Bah, Dieu, ça devrait être correct. Si je te relève, tu le feras rendu là. Ok, c'est bon, ben, ça, c'est à ma guise, hein, mon beau. Ben oui, ça, je sais. Moi, c'est une boîte à surprise. Ah oui. Comment ça, oui, tu le sais? Ben, c'est pas la première fois que je te croise quand même, là. Bon, cette personne-là. Ah ouais, je t'aime, mon beau Joe. Es-tu dans le jeu avec les câbles ou... Ben là, on est au mécano. Y a-tu d'autres câbles à part ça? Ben là, je suis en train de relever la toute petite. Ok, non, y a pas de l'avoir d'autres câbles. Excuse-moi, il a fallu que je relève à environ 5 personnes chez Lucky. On est sur le retour vers l'hôpital. Moi aussi. Ah, j'ai viré trop vite.
Mais là, ça a fonctionné, là. T'es engagé, ma sœur, va? Oui. Bon, oui. Ben, on va commencer direct. On va aller pour rentrer. Est-ce que tu pourrais venir pour l'uniforme masculin, s'il te plaît? Oui, je te fais ça, mais je sais que c'est pas ça que j'ai soumis, mais je vais aller voir mon autre uniforme. Oui, merci, celui avec le polo. C'est celui avec les voix, c'est ça, le petit manche courte, là. Tabarnak, il est à temps que je quitte là, moi. Il me reste un medikit. Ouais, ben c'est ça. Ici, t'as juste avancé, tu peux regarder dans l'armoire. Dans la deuxième porte... je t'explique ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a la lampe de poste que tu peux garder sur toi. L'extincteur. Bandage, de toujours en avoir environ 15 20 sur toi. Toi, tu voulais aller, mon gars. Est-ce que je pourrais? Tu peux pas toi les mettre sur quelque chose, mais tu peux lui mettre par terre pour qu'il le mette lui-même. OK. Ça va? Les kits de premier secours. C'est avec ça qu'on réanime une personne qui a perdu conscience, qui est par terre, comme tu as vu tout à l'heure. Parfait. Ça, charging nous, battery. Oui, même moi, il m'en reste deux. D'habitude, j'en ai toujours 20 sur moi. Mais ça prend pas beaucoup de poids sur toi. Tabarnak, j'ai mal à au bras. Ça, c'est-tu c'est un par personne? Oui, c'est ça. C'est pas réutilisable. Puis tu le perds quand que tu l'as pris. OK, parfait. Puis ça n'en prend pas plus qu'un, là, sauver quelqu'un. Non, ça n'en prend rien qu'un. Ben, tu sais, comme là, tantôt, j'ai relevé deux fois le monsieur au garage. Ben, ça m'en a pris deux pour lui, puis un pour la petite fille. OK. Ouais, c'est vrai, la petite fille l'a fait flamber après. Ben oui, c'est ça. Ben, pendant que moi, j'étais dans la maison de la petite fille. Ah, OK, t'étais chez eux. Ben, moi, j'étais avec... j'étais avec Lucky. Ben, moi, j'étais avec Lorenzo puis la petite. Ouais, c'est ça, j'étais pris parce qu'il était en train de se replanter puis se replanter. On a nos casiers personnels, c'est ton casier à toi. Tu as le droit de déposer ce que tu veux dedans. Ah, début de chiffre. Fait que, tu sais, ce que tu n'es pas supposé avoir sur toi ou qui est trop lourd pendant ton corps de travail, ben tu peux le mettre là. OK, parfait. Présentement, quand on va dans les zones dangereuses, exemple, la zone de chasse, là, il y a eu plusieurs calls au Human Lab dernièrement. Il y a beaucoup d'animaux sauvages par là-bas. On a la permission, si tu as ton PPA, d'avoir une arme sur toi dans ces cas-là. Mais juste celle de l'ammunition. Oui. Il faut que ce soit une qui est légale puis validée. C'est pour ça que tu vois l'arme sur ma cuisse puis sur celle du... Ah non, toi, tu l'as non, pas, là. Comme celle-là, je l'ai pas non, parce t'as que... changé, t'as changé d'uniforme. C'est bon. Ouais, c'est mon ancien uniforme. Ici, t'as la boîte... Regarde, ici, sur le bord des tablettes, là. Ouais, on ne voit pas c'est aller, où, là, mais dire. Ouais, je sais quand, approximativement, où qu'elle est, Sophie. Charging battery. Je vais te guider pour t'habiller. Oh, il y a eu ce blog qui va falloir que je check, là. C'est le vert, lui. C'est pas ça que je voulais faire. OK. Cannot enter shop parce que j'ai pas une calice de scène. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ici endormant que ça? C'est ici endormant que ça, ici? Elle pas vu. Ah non, j'étais dans le guichet. Oh! Fuck! Quelqu'un m'a vu! Puis en plus, tu sais quoi? Il est pris ici. Parce que la porte est barrée, je sais pas. Non. Ben, en effet, le gardien de sécurité. Ouais, mais comme je te dis, la porte est barrée, tu peux pas aller l'autre bord. Ah ouais, viens ta zone. Ben, avec le nombre de trousseaux que j'ai sur mes clés, d'après moi, il va être capable d'ouvrir une porte. Ah ouais, vas-y, il est ouvert ta porte. Ah, avez-vous besoin d'un livreur? Non. Asti. Fait que tu peux donner les codes. Dans le écharpe et chaîne. Bon, on va voir ça. Ok, attends une minute. Ben oui. Vas-y, écharpe et chaîne.
236. Le truc, c'est que j'ai pas de verre dans tout ça. Dans les polos, on n'a pas de verre. 236, ça, ouais. Ça me sort rien. Dans ben... drawable ou texture? Je suis zéro rendu là dans le texture. Parce que moi, j'ai c'est, ça serait le stéthoscope que j'ai autour du cou. Ah, bon, oui, ok. C'est bon, ça fonctionne. Dans le veste, 353. C'est fait. Ouais, rendu là, la couleur, on n'a pas le vert, comme que je dis, fait que... Qui a écrit le brun. Ouais. Que le genre de petit brun de même, là. Le petit beige. Oui. Ce qui est le 3. Le quoi, oh, le 3? Oui. Le texture 3. C'est le sac que tu mets trop vert. C'est ça. Un grand, j'ai fini par purger ma peine. Bon, Lorenzo répond. Dans le t-shirt, wow. 58. Ah, tu vois comment que je connais mon fils, hein? Je connais sa sonnerie par cœur. Texture 0. Ouais, ça c'est bon. Dans le body armor, 26. Bon, c'est fait. Texture 0, sac et parachute 94. OK. Ah, oh, rendu là, ce sera pas long, je cherche ta couleur. Mets le vert. C'est ça, je cherche. J'ai vu tout blanc, tabarnak. Ah, ben lui, qui est gars vert, je le vois vert, là. Là, il est rouge. 4. Oui. Puis tu sais, le polo, si tu veux le mettre noir, là, tu peux le mettre noir, ça ne dérange pas. Le sac est vert pour tout de suite. Les nouveaux uniformes vont arriver. Bonsoir, ici MS13. OK. Je suis... Je suis dans le service. Ah! Tu veux-tu que j'envoie quelqu'un que je vienne te chercher? Dans le haut du corps, c'est 85. Je me suis cassé la gueule. Je suis dans les égouts. Tu peux prendre le char et t'en avant. Trop blessé. J'arrive. Laisse-moi deux secondes. Je vais laisser le nouveau avec Chris, avec Joe, puis j'arrive. 85, donc dans le haut du corps. Ouais, c'est ça, 85-0. Je vais chercher Jean-Marc dans les souterrains. Zéro, parfait, c'est bon. Le bas du corps, c'est le 13. Zéro. C'est bon. Chaussures, 10. Non, ça, c'est mes chaussures, c'est pas les vôtres. Tabarnak, c'était lequel, ça, déjà? Ce sera pas long, je vais juste aller voir sur une autre place. Ah, ici. Ils sont où, les... T'es dans quel coin? Je suis pile poil dessus mon hôpital dans le. C'est le 105 pour les chaussures. Du tramway, du métro souterrain. Lorenzo vient te chercher, je passe une entrevue. Merci. Prenez votre temps, j'ai tout mon temps, c'est pas grave. Comment t'as dit? Tu parles en même temps? Ah oui, pour les chaussettes. Ne vous inquiétez pas, donc prenez votre temps. T'avais bel et bien mis les 105? Ouais, c'est bon. Et le décalt, c'est le 58 pour les petits tags sur les épaules. C'est parfait. C'est tout pour ça? C'est tout pour ça. Si tu veux, tu peux te mettre une casquette ou quoi que ce soit. Sachant que t'as pas de cheveux, c'est selon toi. Correct que j'ai pas de cheveux. Ah oui, t'as amplement le droit. Tout le monde a le droit d'aimer ça, d'une façon de se raser la tête. Là. Ben oui. C'est soit le stéthoscope que tu peux avoir dans le cou, ou sinon tu peux avoir l'arme aussi sur la cuisse. Ouais, l'arme sur la cuisse, là, je sais pas si j'ai mon PPA. J'étais dans la police avant, mais je sais pas. C'est une carte qu'on a supposé avoir, ça? Ouais. Je sais que j'ai ça dans mon inventaire, ouais.
Elle a un genre de petit rosé avec du blanc. Ouais, c'est ça. Je pense pas qu'il me l'ait donné. Ah, ok. Fait qu'il va falloir t'en retourner voir la police demander le PPE. Ben, en plus, okay. C'est une personne d'un coin de bureau. Là. Puis après ça, tu vas chercher ta carte au centre-ville. Pas trop. Bon, on va faire ça. C'est soit ça ou tu l'as peut-être déjà vu, la personne. T'as peut-être juste pas été chercher ta carte au centre-ville. Tu sais, sachant que t'étais dans la police. Ça, ça se peut, anesthèque. Tu sais, des fois, dans la presse, d'aller chercher des personnes, puis ainsi de suite. Là. Lorenzo est allé chercher. C'est bon. Fait que là, il est bel et bien habillé. Ah, c'est good, ça, belle. Ça, c'est un beau, bel uniforme. Parfait. Fait que là, on va aller en bas chercher un véhicule, puis on va te montrer comment faire pour le pimpé, comme j'appelle. En tout cas, il est en train d'arriver, Jean-Marc. Ouais, c'est ça. Ben là, je vais te faire prendre la vraie ambulance, l'ambulance de ville, pour commencer, pour que tu t'apprivoises avec les véhicules. Puis quand on va voir que tu es correct avec, tu sais, on va pouvoir te changer. Il disait qu'avant, il était policier. Ben oui, je sais. Que... Mais je veux quand même y monter. Oh oui, c'est sûr, mais toutes les recrues, on passe toutes par là. Hey, on n'a pas d'eau au masque ici. Fait que je vais aller te montrer ça. Ah oui, c'est vrai, tu voulais. Salut, salut. Allô. Ah, ben, gars, Jean-Marc, je te présente Dwayne. Salut, Jean-Marc. Salut, Jean-Marc. Salut. C'est bon, fait que je vais aller montrer les véhicules, puis je reviens, OK? OK. Au pire, Lorenzo, tu le donneras à Joe, il va me le donner tantôt. Parce que, hey, tu peux me demander pas, j'aime changer. En ramenant le cap, tu chapeau sur la tête. Elle est pas barrée, ça donne-tu bien? Ah. Ben, je t'embarre en dedans, c'est ça? Ouais, c'est ça, je vais finir un peu. Tout de suite, j'ai 2-3 trucs à y Tiens, c'est rare, hein? Tu prends ça, tu l'as ensemble. Ah, ok. Hey, je peux-tu avoir ton numéro de téléphone, toi? Tu me l'avais pas donné, ton numéro de téléphone? Moi, oui, mais toi, tu me l'as jamais donné. J'ai même pas marqué que je l'avais encore dans ton téléphone. Même moi, je l'ai même pas. Ah, même ta mère, tu l'as pas? Non. Merci. Ah non, c'est le Unicorn. Moi, c'est Jonathan Louis. Ben, je t'ai pas d'un J. Hein? Ben, l'autre fois, c'est parce que t'as engueulé les policiers pour dire que tu voulais pas les calices de numéro. C'est cette fois-là j'ai essayé de te le donner. Ah! Ouais. Ouais. Ah! Hey, c'est tu viens de l'avoir. C'est bon, je vais te rappeler mieux aussi. Non, c'est parce que des fois que j'ai reçu, que la personne s'est mise à me donner 3 fois son numéro, ben, oh, oui. Je l'ai reçu 3 fois dans mon contact, puis c'est gossant. En ce moment, j'ai 3 fois le même numéro de la même personne, c'est juste des codes, hein. Ok. Ouais, c'est parce qu'ils nous le disent pas si on a bel et bien cliqué, fait que c'est dur à dire. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme quand t'es à terre, puis que tu payes pour nous appeler, là. On le sait juste pas si quand on appelle ou pas. Puis ce qui est le problème là-dedans, c'est que quand tu donnes un numéro, puis la personne l'a déjà accepté, puis tu arrives à côté, puis tu donnes un numéro de téléphone à quelqu'un d'autre, ben, l'autre personne reçoit le numéro. Mm-hmm. Il peut pas le refuser, c'est ça qui est grave. OK.
Fait que c'est ça qui est arrivé. Moi, la personne m'a donné trois fois le même numéro, mais je peux pas y refuser. Je veux les accepter. Ben, tu peux pas annuler? Non. Fait que j'en sois tout à son numéro dans ma suggestion. C'est chiant, ça. Ouais. C'est pour ça qu'il y a du monde qui donne des numéros à Rosa, ben je me sauve pour pas l'avoir. Ben, c'est sûr. Comme t'as pu voir l'autre fois avec la police. Ah, ouais. Ouais. Pendant que c'était moi. Je sais que moi, j'ai le bras irrité. Je sais pas, il va peut-être falloir que vous fassiez quelque chose. J'ai le bras irrité parce que j'ai fait un accident tantôt. On allait voir chez Lucky. Ça va être parfait parce que comme ça, on va pouvoir faire pratiquer mon mot. Ouais, une petite on va médecine douce. Ça me fait pas mal. extrême, qu'on peut dire, mais j'ai le bras irrité. Moi, j'en viens. Je vais faire un petit tour, Unicorn. C'est bon. Ça, au moins, il va pouvoir se pratiquer. Eh ben, ça arrête pas les Twitter. Ça fait ding ding ding, hein? C'était calme au début? Pardon? Ça a été calme pour le début? Je sais pas, j'étais arrivé et puis... premièrement, j'étais à la maison de Michael. Il y a eu une alerte instantanée dès que j'étais arrivé. Ah ouais. Tu sais, j'avais écrit à Drago voir s'il pouvait venir me chercher. C'était lui qui était à terre. Ok, merde. Et tu n'as pas passé sur le 1 avec ta radio pour appeler un flic qui vient de te faire un... Non, j'ai couru jusqu'à eux à place. Ok. Il y en avait deux de proches. C'était dans le secteur, ouais. T'as de la chance. Oui, je pense que c'était Alva qui était là, selon la voix. Ok. Et ce nouveau, il vient d'où? De la police. Ouais, ok. Mais pas de... pas d'ici? Oui, je pense que oui, parce qu'il m'a dit qu'il venait de la police. Ah ouais? Je sais pas c'était lequel dans toute la gang, Dwayne, j'ai jamais vu de chauve, c'est plate à dire. C'est quoi son numéro? Enfin, de MS? C'est le 79. Merci. Si je me fie au VPN en haut, là, qu'on peut dire, là, c'est le 79. Ouais. Ok, 79. Ok. Ouais, souvent on prend les mêmes numéros d'un à l'autre. Hein. Ah ouais. On sait jamais. Bah, comme ça, pour lui, c'est plus facile à remember, à rappeler. Mm-hmm. Ouais, tu vas voir que son gilet, il est pas vert. Il n'y a pas de vert dans ta gamme de gilets. Fait qu'on l'a mis comme un petit brun beige. Ouais, j'ai vu. On n'a jamais trouvé le vert, fait que... Non, il n'a pas. C'est ça, fait qu'on a au moins mis une couleur que personne qui n'est pas attitré. Oh, ok. Ah, puis le rouge, il est trop foncé. Vivement qu'on ait les nouveaux vêtements, hein, nouveau linge. Ah oui, j'ai hâte. Là, maintenant, c'est où j'ai mis? Ah, enfin. C'est au bout de 30 secondes. Il faut un délai de 30 secondes quand la personne est par terre. Fait quand tu arrives sur un corps, normalement, le temps que tu te déplaces, tu arrives, c'est correct. Mais là, on va juste faire un moteur et on va avoir un petit 30 secondes. Ouais, je suis vraiment en calme. Quand tu cherches tes cigarettes et qu'ils sont sur ton épaule, tout va bien. Puis je te dirais que tu as vu le plus difficile, c'est ça. Puis quand tu... Ah, c'est ça, c'est parce que je voulais changer ça. C'est quasiment ça le plus compliqué. Tu sais, maintenant que tu veux déplacer la personne, parce que des fois, quand il y a trop de vie autour, ça nuit, là. Mais quand tu veux la déplacer, là, tu regardes dans ta première poche, là, dans ton travail, là, puis tu as plein d'options. Est-ce que tu as une chance que je ne sois pas pressé avec mon bras irrité? Hein?
Malgré tout, je suis capable de le lever, mon bras irrité. Hey, ça va bien. Ah, ouais, ils sont là. Ça va bien. Ça va bien. Ah, j'ai un bras irrité. Le bras gauche est irrité, mais il lève bien. Il lève bien, malgré tout. Ouais. Mais il est un peu rouillé, il graisse un peu, là. Fais attention, je ne vais pas te frapper. Oui, oui, ben c'est parce que faut que j'aille à l'envers, hein. Et voilà. Hey, veux-tu que je t'en colle les unes? Non, tabarouette, t'étais pas. Bon, il était temps. Bon. Ok, vas-y, je te fais pratiquer. Déplace-le parce qu'il est collé après le mur, comme je t'ai expliqué tantôt dehors. Là, j'ai déjà expliqué comment faire. Oui, ben là, vu qu'on était tout seul, il n'y avait pas de bruit, c'était calme. Oh, et voilà, gars! Ah, il réussit à me traîner avec son téléphone, lui, en plus. Il est fort, le gars, il est fort. Ah ouais, il est fort en sacrement. J'essayais de faire son entrevue. En plus, il atterrit chez Michael, en plus. Oui, ah, il m'a raconté. Ah, regarde, il se débrouille bien. Ouais, ça va. Il a bien attrapé. Ah, parfait. Je masse le trottoir, mais pose, sinon ça va. Oh non, on va dire que t'es à bonne place. Ah ouais, tu peux y mettre un peu de glace sur le cou, là, ça va y faire du bien. Sur le cou, dans la voilà. Face, dans les couilles, vas-y où face, tu veux, tabarnak, elle m'a frappé partout. Il adore se faire masser les fesses. Ah, j'aime mieux que quelqu'un va rentrer, mais c'est une autre affaire. Ah, c'est oui. Moi, je laisse faire. J'aime pas que j'ai fait les piqûres aux fesses, moi. Là. Habituellement, quand c'est un citoyen, on charge. On charge. Dès que c'est policier, EMS, c'est zéro. Pour la facture, là, je vais te laisser aller avec Joe dans le bureau, OK? Joe va te montrer ton tableau pour les prix, puis tu vas voir, ça va calculer. Laisse-moi le temps de le créer, là. Ouais, ouais. J'ai comme pas été dans le rapide, là-dessus. Par contre, il manque une petite case, peut-être. Fausse alerte. Quand on arrive, qu'on... Aucune victime, personne... c'est quoi, tu penses? Ouais, mais dans la première case, on met quoi? Rien, juste... C'est pas bon. Fait que on va dire, tu mets, si tu crois que c'était un policier, tu cliques sur policier puis aucune victime, ouais. Ça fait la job. Si tu penses un citoyen, tu mets citoyen. Okay. Ça veut dire que tu as eu un call, mais tu sais pas c'était qui, tu l'as pas vu. Ouais, ouais. OK. Fait que ouais, c'est ça, tu vas comprendre quand il va te montrer dans un instant. Oui, mais laisse-moi le temps de... C'est bien fait, le tableur. Il est dur à écrire son temps en liste, non? Ça te dit le prix direct. Ah, OK, parfait. C'est le fun, hein? Puis comment ça marche bien? Comment se facture le patient? Facture. OK, regarde, tu vas venir. Attends un peu, Jean-Marc, je vais y expliquer. Tu vas me faire une petite facture. On ne fera pas une grosse, là? Un gros, une pièce, dans genre. Un dollar. Tu vas aller sur ton muscle 7. Tu vas faire créer. OK? François 7. Ah, créer. Là, après ça, c'est marqué ambulance ride. Mais exact. Là, tu vas cliquer dessus et tu vas aller sur custom. C'est fait. Puis à Mont, là, tu vas écrire 1$. Ouais. Là, tu vas créer, puis là, tu vas y aller avec mon nom. Normalement. Ah, on met job ou personnel? Rien. Tu fais juste ce que je t'ai dit. Tu laisses sur job. C'est bon, c'est automatique. Ouais. Parfait. Sophie Vachon. C'est ça. Normalement, la personne la plus près de toi que tu viens de relever, c'est la première personne que tu vas voir en haut à gauche. Parfait. Mais quand il y a beaucoup de monde et que tu ne connais pas les personnes, tu peux demander le nom. Un prénom. Pour être certain. Ouais. Parfait. Ou son numéro chanceux dans la vie, fait que comme ça, tu le vois aussi. Tu as accès à tout ça. Numéro de poche. Ton dispatch nuit à tes yeux quand tu conduis, des fois, il se met un petit peu sur mon GPS, moi. J'ai expliqué sur le VPN comment le temps... Ouais, rendu dans le bureau, mais qu'on soit devant l'ordi, je vais tout y montrer ça. Ouais, c'est ça. Ouais, il est capable de les déplacer. Ouais, parce qu'il faut que je lui montre des choses sur le VPN qui va être sur l'ordi là-bas. Ouais, c'est ça, il va falloir qu'il monte directement, là. Quand t'es prête. Je remettais mes lunettes parce que je vois pas KO. Côté nourriture, normalement, je donne toujours de la nourriture aux employés dans la semaine.
Quand c'est des nouveaux, je les donne à coup de 20-25 parce que je ne sais jamais si c'est des nouveaux qui vont rester ou pas. Qui viennent beaucoup. Oui, c'est ça. Tu sais, comme j'embarque, je donne ça à coup de 100 cette heure parce que je sais que c'est notre habitué et que j'ai aucun problème. Là. Puis je peux te dépanner au cas. Parce c'est que ça. La patronne, elle me bande, donc après moi, je te dépanne. Oui, ah, parfait. Que, t'as tu as besoin d'argent, Sophie? Attends un peu, je vais aller. Ah non, il est à terre. Non. Non, il est à terre derrière. C'est ton fils qui te donnait ça. Tant que tu restes en ville, quoi, je t'aiderai. Parce que la patronne, elle m'arrose de ça, donc il n'y a peut-être pas de problème pour toi, quoi. Il y a de quoi faire. Good. Ouais, ouais. On est une famille, hein. Ouais, moi, quand vous êtes en service, là, je vais tout le temps acheter des grosses quantités de pizzas, de boissons, que je vous fournis avec les desserts. Tout. C'est bien pratique. Ouais. Ouais, effectivement. Fait qu'avec moi, vous manquez jamais de nourriture. Ouais, 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 ouais. Fait que je te laisse y aller, là. Je vous dérange plus. Moi, puis, je vais te laisser t'occuper de mademoiselle. OK. Moi, puis Jean-Marc, on va faire les Bon, on avait-tu barré le bureau? Ben non, tout va bien. Hey, t'as juste à venir de ce côté-ci, on va regarder sur l'ordinateur quelque chose. Puis aussi, on vend des, pour les on va cliquer sur le petit lien VPN, puis on va voir ça. Si tu veux, tu peux même venir dans la petite discussion qu'on peut dire dans le VPN. Et où le lien VPN? Ouais, c'est comme si on parlerait sur nos emails qu'on peut dire, là. Si tu comprends bien. Comment t'as dit ça, excuse? Ben, c'est comme si on irait parler d'une façon sur nos emails, oui. Notre VPN. Il est complètement oui, bas. Oui. Il est complètement okay. Bas. Ouais, parce que c'est quand même gros, malgré tout. Hein. Puis tu vois pas tout. Sais-tu, je pense que je peux rentrer dedans parce que je les vois pas. Maintenant, est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le vois maintenant? Oui. Oui, hein? Je viens de voir qu'elle t'avait pas mis recrue sur le VPN. Voilà, ça fonctionne. Bon. J'avais juste pas remarqué que t'étais en mauve, que t'étais citoyen. D'accord. Fait que... Là, j'étais dedans, je le cherchais, mais là, ah il ouais, a pas de... Pas de salon nulle part, là. Ouais, c'est ça. Puis t'as dû voir que ça grossit un peu. Ah, un peu? Un peu beaucoup, à la folie, qu'on peut dire. Ben, puis tu vois pas tout, en plus. Passionnément. Non, ah, exact. Tu vois pas tout, en plus. Tu sais, il y a bien des places que tu vois pas, là. Fait que toi, c'est quoi tu voulais que je montre, déjà, à part que son... Voyons, son document, là. Ok. La joie d'être côte à côte, hein. Elle me parle pas, puis elle me parle. Allô? Revoilà. Ben oui, ben revoilà. En fait, dans ah oui, Caillou Perico. C'est l'île qui appartient à des malfaiteurs. Ouais, dans la formation qui est là, ouais. Fait que... Cette île-là, nous, en étant EMS, on est les bienvenus là-bas quand il y a des calls et tout. Tu peux y aller n'importe quand, tu seras jamais en danger tant que tu n'as pas un policier avec toi. C'est ça. Avec un char de police, moi. Ouais. Tu risques ouais. De te faire tirer dessus, ça se peut-tu? Écoute, ben je ne savais pas, moi, je suis rentré là au bord, puis je me suis aventuré un peu, là, mais c'était tranquille, il n'y a pas un chat, fait que j'ai viré de bord. Maudite chance que Pablo n'était pas là, il t'aurait pogné, moi. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on m'a dit, rendu de l'autre bord du pont. Tandis que là, en tant qu'EMS, là, comme là, t'es nouveau, là, je vais aller te présenter à la gang, puis aller lui demander de te faire visiter l'île, ils vont te la faire visiter avec plaisir. C'est ça. Parfait. Ils nous invitent à leur party privée, puis tout.
Des fois, ils nous payent, ils payent nos services de EBS pour aller à leur party. Puis s'ils se bagarrent puis qu'ils tombent, on les relève. Ouais, mais la prochaine fois qu'ils nous font ça, je me suis monté un véhicule de même. Avec ben plein de medikits. Oui, c'est ça. Le prochain coup, on va monter un véhicule pour, parce que des fois, on en prend beaucoup. Mais le dernier coup, il nous a donné 30 000 piastres chaque. Wow! Ouais, on était moi, Jean-Marc, puis Joe. Mais c'est des choses qui n'ont jamais été dans notre coffre, c'est ça le pire. Moi, j'en ai mis une partie. Ah, pas moi. Mais moi, oui, parce que ça a coûté 10 000 piastres. Ça n'a pas coûté 10 000 piastres de bandage. Ouais, moi, j'ai mis 10 000, puis j'ai arrêté ça là. J'ai gardé 20 000 dans mes poches. Je me suis dit que vous autres, vous méritez de garder le reste. Puis on s'amusait avec eux autres, ils nous fournissaient de l'alcool. On jouait, on mettait de la musique, on dansait, puis on déconnait. Là, mm-hmm. Puis on se la tapait bien dur. Ah oui. Belle petite soirée de travail. Ben vraiment, oui. Vraiment. C'est tout le temps de même, nous autres. On finit tout le temps qu'on a du fun. Il y a tout le temps plein de monde à l'hôpital qui vient nous voir juste pour jaser. Si tu restes moindrement tard, il y a tout un petit quelque chose à la fin. On peut dire qu'on fait, qui fait que... Ouais, cette semaine, on a fait une chasse à l'homme, là. Les policiers qui étaient en service, il y en avait deux. On les emmenait avec nous autres, ils ont fait « Hey, vous faites ça? » Je dis « Ben oui. » Jamais qu'ils restent tard, ces policiers-là. Puis ce soir-là, ils ont resté jusqu'à 3-4 heures du matin. Ouais, des fois, c'est du paintball. Des fois, c'est ça. Ouais, des fois, c'est des... L'autre fois, c'était une course, ouais, une chasse à l'homme. L'autre fois, on est allé... Il y a une place où on fait de la drift, là, dans un immeuble, là. Dans un immeuble. Oui, dans un immeuble, oui. C'est dans un immeuble, c'est dans un genre de sous-sol. On était se péter un fun avec des Michi-Michi. Ah, parce que les admins nous avaient prêté des chars. Ils nous ont fait spawn des chars. Ouais, dans le chasse à l'homme, mais après ça, on était se péter des drifts avec. Puis eux autres, à telle heure, oups, les chars ont disparu. On va être à FK dans 15 minutes. On va juste bouger un peu. Dans la section formation, dans le premier en haut, j'ai marqué les règlements et les procédures. C'est deux nouveaux documents que j'ai mis, OK? Dans le premier, ça dit que ta vie est la plus précieuse, en gros, parce que des fois, j'avais des AMS qui entendent des coups de feu, ils se dépêchent d'aller relever les policiers. Non, ta vie est plus précieuse que celle des policiers, parce que le policier, on peut le relever, toi, personne ne peut te relever. Même pas vous autres? Oui, oui, nous, si on est là. Si on est là, pense toujours à ta propre sécurité avant les autres. Il y a bien des fois qu'il n'y a personne en ville, puis je peux être en ville, bien qu'il faut que je fasse attention. Rendu là, il faut que je conduise moins vite, parce qu'on s'entend que c'est pas dur de sortir d'un véhicule. Ah non, je sais, je l'ai vécu souvent. Ça fait mal en sacrement, on peut dire. Oui. Fait que quand tu conduis, quand tu es sur un mettons que tu arrives sur une place, puis qu'il y a une fusillade, une bagarre, tu les laisses faire, tu attends, tu te mets en sécurité. Puis quand ils ont fini, là tu y vas. C'est comme quand, on dit vous avez été au mécano, moi j'étais avec un gang, puis ils se tapaient toute sa gueule, fait que je me watchais pour pas me faire planter un coup. Moi, au mécano, la petite fille, elle mettait le feu sur l'autre gars, puis l'autre gars mettait le feu sur la petite fille, puis il s'auto-brûlait. Pourquoi t'as pas pris l'extincteur? Ben oui, mais quand ils ont fait, qu'est-ce que tu fais là? Je voulais sortir l'extincteur. Fait que c'est ça. Ta vie, c'est vraiment ça qui est le plus précieux. Parce qu'il y en a qui oublient ça, puis qui se garochent dans le tas. Fait que là, ça finit que la personne tombe aussi. Puis là, ils sont obligés de faire un slash report pour demander à un admin de venir. C'est pas normal. T'es supposé penser à ta sécurité avant. Puis c'est la même chose aussi quand t'arrives sur le call. Avec ton véhicule, toujours mettre ton véhicule pour protéger ta victime. OK. Pis toi. Fait que là, ouais, si maintenant t'es sur la route, tu mets ton véhicule pour que les véhicules, ils peuvent pas avancer vers vous autres. Il va contourner, tu prends ta victime, tu la mets plus près de ton véhicule, puis là, tu fais ton intervention, comme ça, vous êtes en sécurité. Vous vous ferez pas frapper. C'est ça, dans le fond, je bloque la voie avec le truck, puis je nous cache en arrière. C'est pour ça que quand tu voyais des EMS arriver, mettons, sur des calls de police... On se parquait tout à tout croche, puis ainsi de suite, c'est ça. Le tout croche, c'est parce que nous, on pensait côté sécurité où est-ce qu'on pourrait se placer pour mettre notre victime pour être le mieux possible. T'sais, oui, c'est des fois, on reprenait la victime, on le transportait sur le trottoir, mais le temps de le transporter, on se sécurisait. C'est ça. OK. D'accord. Après ça, le respect est de base pour tout.
que ce soit dans notre façon de parler, notre façon de se comporter. Même si tu t'aimes pas un policier, tu sais, il faut quand même que tu sois dans... Tu le respectes, là. Ouais, c'est ça, t'as pas le choix. Tu sais, comme à l'hôpital, pas tout le monde aime Jamal, qu'on peut dire, puis on essaye de le respecter malgré tout. Oui, c'est ça. Puis qui est rendu policier, là. C'est la même chose avec les gangs, là. Même si, mettons, comme nous, tu vas voir, on a des amis dans des gangs, mais c'est des amis... Même notre fils est dans une gang, mais ouais, le jour où il est à terre, comme les autres, puis qu'il a fait un mauvais coup, il n'y a pas de priorité. Non, exact. La priorité reste aux policiers. La même affaire pour moi. Mon fils est dans une gang aussi. C'est ça. Fait qu'il sait, mais jamais que je vais aller à l'encontre des règlements pour lui. Non, c'est en plein ça. J'ai une job à faire, puis je vais à faire. C'est ça. Fait que, en gros, c'est ça. Après ça, le respect pour tout le monde. Fait que tu ailles d'une gang à l'autre, tu respectes toutes. Et comme ça, on a toujours puis bien vu. Qui te respecte eux autres aussi, malgré tout. Il y a des chums partout. Oui. Ouais. Puis je te dirais que des fois, s'il y en a un qui manque de respect quelque part, un nouveau ou de quoi de même, là, c'est pas trop long que tu vois les gars des gangs arriver, puis ils te le saisissent, puis ils te l'amènent d'une ruelle. T'sais, on s'entend que Pablo, c'est un de nos meilleurs amis. Lucky, on s'en vient bien avec. Sinon, Lorenzo, qu'on peut dire, ouais, c'est ça qui est notre fils. T'sais, on s'entend qu'on est quand même bien blindé quasiment côté gang, là. Ouais, c'est ça. Vous avez tout le monde dans votre poche. Ben oui. C'est ça. Puis on s'entend très bien aussi avec les policiers. C'est ça. J'adore ça. On fait un travail d'équipe avec eux autres. Avec pas mal tout le monde, je dirais. Oui. Toi, pourquoi t'avais quitté la police juste demain? Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de MS. Ah, OK. Ouais, il voulait venir nous aider. Ben oui. Ouais. Ben, il fait bien. Trop de flics, puis pas assez de MS. Ah, ouais. Tu vas bien. Là, dans les règles, j'ai indiqué que quand quelqu'un te manque de respect, parce que ça m'est arrivé à un moment donné, c'est une intervention, qu'une personne va chier, puis là, il nous manquait de respect verbalement, tu as le droit de mettre la facture plus haute. Mais maintenant, avec le tableau que tu as montré, il y a une section... Ah, je ne l'ai pas remontré. OK. Tu vas voir, là, moi, c'est parce que sur les règles, j'avais marqué « tu peux arrondir à 1000 comme Ginette », sauf que sur le tableau qui va te montrer dans pas long, il y a une place que tu coches que la personne t'a manqué de respect. Ça, on s'entend que la personne manquait de respect. Ça coûte 300$ juste pour le non-respect. Ouais. Oh, wow. Ouais. Tu sais, on s'entend que tu veux nous faire chier, on va te faire chier, nous autres aussi. Là. Ouais, c'est ça. Tu vas fermer ta gueule. C'est toi qui as le gros boîte un peu. Jean-Marc, on te laisse prendre le call, OK? Je t'ai pas entendu en jeu. Sur la radio? Tu peux la prendre une. Tu me sacres à terre. Tu peux la prendre une en attendant, puis on t'entend, tu la rangeras après au pire. Elle me sacre à terre, fait que... J'ai mis tout le temps de remettre ta calice de radio. Après ça, OK, Gillette, lorsque vous portez votre uniforme... Ah ouais, quand t'as ton uniforme, tu représentes l'hôpital, fait que tes gestes ont un impact sur tout, sur l'équipe. Mm-hmm. Faire attention. Si une personne te menace d'une arme, OK? Je le sais que de base, on n'a pas le droit de menacer des EMS. C'est vrai. Sauf que si la personne te menace dans le but de t'enlever pour te braquer, pour aller faire une banque, tu fais ce qu'il dit. T'embarques si tu n'as pas le choix. Tu te laisses faire, mais pendant que tu es à genoux, là, tu fais un slash report. Ouais, exact. Là, tu dis, je suis EMS, en service, en uniforme, on m'a kidnappé, la personne n'a pas le droit. S'il vous plaît, je veux votre aide. Les admins vont arriver. Mm-hmm. D'accord. Ça risque d'être assez rare. C'est jamais encore arrivé. Mais quand tu n'es pas en service, ça peut arriver. OK. Je me suis fait enlever quand j'étais pas en service, puis j'ai pas eu le choix. Mais oui. Si tu es en service... On te braque une arme, puis on te dit, suis-moi dans la ruelle, réanime mon ami, dépêche-toi. Puis là, t'as les polices qui sont là. Les polices, non, tu réanimes personne. Puis lui, t'as l'arme sur la tête, t'as pas le choix. Tu réanimes son ami, puis tu te recules, puis tu le laisses partir. Je suis pas flic, moi, là. C'est ça. T'as tout à fait compris. Tu fais ce qu'on te demande, puis ça finit là. Puis là, tu n'as pas besoin d'un report parce qu'ils ont le droit légalement. D'accord. Je vais juste... Bon, téléphone, quelqu'un. C'est le mien. Bon, fait que là, je vois ton fameux tableau.
Oui, de toute façon, je me suis mis en direct sur le Discord. Mais t'as ton lien, on va dire, tu vois ton nom dans les feuilles de bonus, là, t'as ton lien direct là. Dans les feuilles de bonus? Va plus haut dans le VPN. Il est en haut, lui. Ouais, je te l'ai mis complètement haut, que ça soit facile. Puis comment s'appelle ça, excuse, j'ai perdu un bout. C'est pris pis soin? Non. Va complètement en haut du VPN. T'as le salon textuel, on va dire que ça, c'est tous les entrants qui voient ça. Ouais. Tout de suite après, ouais, t'as feuille mon bonus. Nom, il est là. Ouais, c'est ça. Oui, clique sur ton nom. Clique sur ton nom. Clique sur le beau petit lien. En même temps, je vais voir si tu réussis à faire de quoi. C'est ça. Ça, c'est ce que j'ai fait créer cette semaine. C'est nouveau. OK. Ça calcule ta prime. Ça calcule pour toi qu'est-ce que tu es en train de faire comme intervention. Fait que tu vois le montant que tu dois charger à personne. Oh, c'est ça. Tu peux. Essaye de voir si ça fonctionne. Clique dessus. Vas-y. On sait jamais parce que des fois, là. OK. Déplacement. C'est à ton tour. Déplacement, je marque quoi là-dedans? Ben. En ville, paletto. Allô? Ah! Ça, okay, ça va? Un peu. Okay, ben oui, ça va. J'ai appris le même, mais elle est pas mal occupée. Si ouais, c'est ça. J'ai une question pour toi. Ouais. C'est parce que. Ou dans le stationnement. Si ça passe à ma radio, ce sera pas long. Je vais juste couper ma radio. Si c'est à Sandy Shore, le lieu Man Lab. Tu vois, Sandy Shore. Dans le fond, la madame, parce que dans le fond, tu sais qu'elle est qui? Il y a le tabac. Ouais. Allô? Ouais. Bon. C'est que le qui le tabac? Ouais. Bon. La madame avait vendu ses cigares, puis j'ai parlé avec le qui, puis le qui en ce moment, ben. Il fait plein d'affaires en même temps. Genre, il est prêt à gérer sa business correctement. Puis là, ben, la madame, il m'a dit que j'ai acheté pour 30 000$. Je lui donne 30 000$, mais j'ai pas l'argent sur moi. Mais le qui en ce moment, il est occupé à foutre le bordel partout. T'as dit 30 000$ sur toi à me passer pour que je les achète, puis que je le rembourse avec l'argent Lucky. Ouais, mais viens la chercher à l'hôpital si tu peux. Ouais, ben je suis à l'hôpital justement. Ah, ok, fait que je m'en viens, ce sera pas long. Parce que là, la madame, elle attend au tabaco, puis ça fait 5 minutes qu'elle est là-bas, puis elle attend, puis le qui code, ça rien encore. C'est bon, je m'en viens, ce sera pas long. C'est good, thank you. Je peux te savoir, ok. Ah, je reviens. Ah, tabarnak! C'est qui passe à cette porte-là? Ouais, c'est ça, je voulais juste te le sortir du guichet, là. C'est qui est pas là? Ça a-tu marché? Ah, c'est juste 3 000, excuse. Comme un grand, j'ai fini par purger ma peine. Oh, allô? Ouais, t'as promis que tu m'appelles pour les alertes? Oui. Pour qu'on le note, on s'est déplacé. D'accord. Oh, désolé, il y en a un qui voulait avoir 30 000. Les enfants, c'est ça que ça fait? Ouais, c'est parce qu'il faut qu'il achète des cigares, puis Lucky, il est trop dans d'autres choses pour aller à sa business pour le payer la personne, fait que... Ah, puis il va nous rembourser. Ah, il va me rembourser, ouais. D'habitude, il nous rembourse des fois avec bonus. Y a-tu quelque chose qui marchait pas? Oui. C'est pour ça que... Explique-lui où est-ce que tu as cliqué que ça n'a pas fonctionné, s'il vous plaît. Dans le déplacement, peu importe ce que j'écris, ça me donne une erreur. Ouais. OK, je viens de voir. Ouais, c'est parce que... Fait que c'est ça, puis ça va te mettre au bout de la ligne, ta facture, elle va être de combien. Fait que quand tu vas facturer au patient, là, pendant que tu es penché puis que tu es pogné sur lui à amasser pendant 20 secondes, là, tu peux aller cocher tout de suite tes choses. OK, ouais, sauver du temps. Oui. Dans bandage aussi, ça me fait la même chose. Les bandages, ça, citoyens, c'est parce qu'on les vend 40 $.
Policier, c'est 25. Puis à côté, là où il y a un carré blanc, bandage, parce que tu as deux fois bandage, le premier, tu mets citoyen ou policier, puis ça calcule tout seul. Fait qu'à côté, tu mets le nombre que tu as vendu, ça va te mettre le montant au bout. Où tu parles à côté, le nombre que tu as vendu? Ah, dans... Un bandage deux fois. Ouais, exact. Le deuxième qui n'a pas de flèche, là, c'est toi qui écris. C'est ça. Tu écris le nombre que tu as vendu. Ouais, double-clic. C'est ça. Puis tu vas te rendre compte qu'en haut, là, où c'est écrit prime ou ton nom, là, Calice. Ça va monter. À chaque bandage que tu vends, ça te donne 5 piastres. Non, c'est $15.6. Mais qu'en bout de ligne, c'est payant. Fait que ça tu vends ça citoyen, dans le fond. Oui. Citoyen, policier. Citoyen, puis policier. Les tiens, ils coûtent zéro à toi, là. Dis-toi ça. Ouais, si tu t'en prends, là. OK. Tu ça te coûte fuck out. Toi, ça te coûte jamais rien. C'est ça. Le Medikit? Non plus. Ça coûte jamais rien. OK. MS, policier, tu ne charges pas les Medikits. Parfait. Ouais, c'est ça. Cette feuille-là a été créée cette semaine. Fait que, puis je l'ai faite, comme c'est là, en 6 exemplaires. Fait que j'ai fait du copier-coller, mais il y a des choses que j'ai pas eu le temps de te faire. Jean-Marc, c'était-tu correct? Affirmative, je viens de finir la première intervention. Je pars sur la deuxième. Il y a plusieurs cas. Parfait, on a presque terminé. On va y aller après avec. Fait que t'as-tu réussi à cliquer sur toutes les cases que tout fonctionnait? Ah bon, oui, OK, déplacement, il est là. Ouais, c'est si ça, tu c'est... mets ton IBAN en haut, ton numéro de banque, je peux t'envoyer ta prime par là. C'est... Je le vois où, mon numéro de banque? À banque. La banque. Quand... T'as-tu une carte de guichet sur toi? Je pense que non. T'as... OK. Quand non, j'ai pas ça. Bon. On ira t'acheter une carte de guichet où tu te mettras un IP. Puis ici, avec la caisse de l'hôpital, tu vas pouvoir aller souvent dans ton compte comme tu veux. Tu vas voir ton e-bank. Là, on va aller au call. On va aller, viens-t'en. T'as-tu des médicaments sur toi? On prend le on prend un call, Jean-Marc. On y va. On t'aide. Ouais, c'est parce qu'il commence à être quelque chose, là. C'est tout le temps le même, là. Je sais pas, j'ai pas pris le temps, ouais. Le boucanier. OK. Vas-y, je m'en viens avec toi. Oh, oh! J'embarque. Là, tu fais ton petit jeu. OK, Paletto, on s'en va ici. C'est-tu lui de Paletto que t'as mis? Non, enlève ton câble. Enlève ton câble. Enlève ton câble. Jean-Marc est déjà sur ce câble-là. Enlève-le. Ça. Ouais, je l'ai enlevé déjà. Okay. On va aller sur un autre. Parce que là, tu vois que ton... On s'en va dans le sud. Ton coup est... Un peu. Je t'entends en double. Ah ouais, c'est ça. Attends, je vais arrêter le Discord. Oui, bonne idée. Oui. Ah, bonne idée. On prend le call dans le nord à Paletto. Moi, je m'en vais proche de Jean-Marc, il en avait deux. Comment je fais juste pour changer le call? LSPD, oui, hein? Oui, on est en route, désolé. Ah non, c'est pas une question de désolé, c'est juste pour vous dire que où on est, le véhicule, il a fait un embardé de très très haut, là. OK, on s'en vient, je m'en viens avec la recrue, on est deux. Pas de problème, prenez votre temps, essayez de trouver un chemin pour venir nous rejoindre, là. Parfait, un instant, je vais aller changer de véhicule d'abord. Il n'y a plus personne ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Parfait. Je retourne sur ma fréquence. 13 pétataire, j'ai la victime devant moi. Je prends le premier secours. Oh, OK. Thank you.
Hey, Jean-Marc, le call qui avait un petit peu plus loin ici, là, il est plus là, le gars. Oui, je pense, parce que j'étais sur une autre intervention juste avant. Bah oui. Voilà, monsieur, je vous remonte la manche, je vous désinfecte le pli du bras, je prends un garrot. Ouais, ben je me rendrai pas jusqu'en bas, je le dis tout de suite, hein. je vais arrêter de vous en mettre la merde. Arrêter Discord là. Oups. Oups. Ok. Jean-Marc est à l'écoute. Je me stresse, j'écoute. Ouais, nous autres, on est rendus dans le nord, là, à Paléto. S'il y a de quoi en ville, là, tu vas t'occuper de ça. Là, je suis encore avec la première intervention, enfin la deuxième, donc je... La deuxième? Mais je... ça va, le monsieur va bien, je vais pouvoir décoller.
on est arrivé, nous autres, là, à Paletto. À 10-4. Sacrament! Sacrament! Chiliade. Ah ben tabarnak. Ah ben ils sont drettes en bas là. Aïe aïe. T'es-tu tombé toi aussi? Ouais. T'es-tu mort toi aussi? Oui. Comment t'as fait ça? La petite touche 1 qu'on peut dire en haut, là, F1. Ouais. Tu vois le bouton d'urgence? Pèse dessus, puis t'as le bouton d'urgence. Aïe aïe. Je pense que t'as pas assez de bras, hein? Ah, ben merci. Merci. T'as-tu besoin d'aide pour lui aussi? Merci. Ouais? Oh là là. Je retourne sa radio. Désolé, Jean-Marc, on a un petit peu trop aimé la descente de la montagne, mais on est correct, là. Ah, je me demande juste comment on va remonter. On va trouver, tiens quoi. C'est facile d'aller par là-bas. Ouais, c'est ça. OK. On va remettre la radio. OK, s'il y a un autre temps en ville, on va aller. Sinon, moi, je t'amène de nouveau après. On n'a pas le choix de partir. Moi, je suis même pas sûr s'il y a encore un cas au site. OK. Bonjour, parfait. Oh, par où on monte, ça? Oui. Ah, écoute, on a un peu trop aimé la descente. On a ri sur le coup, mais moins après. Quand on a avalé trop de sable. C'est ça que vous êtes arrivé, monsieur? Comment vous êtes arrivé ici? Nos véhicules sont en haut de la montagne. On a voulu descendre sécuritairement à pied. Pendant qu'il n'y avait aucune sécurité. OK. J'ai pris la peine d'aviser, par exemple, avant que vous arriviez. Là. Je ne t'en veux pas, je te promets. Surtout que vous étiez avec le Tao, vous autres. Après. Et là, là. Ils sont avec le Tao, fait qu'il aurait pu passer, qu'on peut dire, peut-être par un bord ou de l'autre, par la plage. On courait après, puis regarde ça avec quoi je suis, je suis descendu avec ça ici. Tabarnak, pas pour rien qui est fini, ton char aussi, hein? Ah non. Est-ce que tu as eu le temps de lui faire les factures? Est-ce que tu as le temps de lui faire la facture? Juste attends qu'il fasse la facture. Non, pas encore. Moi, je ne l'ai pas fait. Viens le voir. Ça
Fait que tu peux regarder le monsieur puis lui faire la facture à lui. Est-ce que tu me diras si t'es correct? Jean-Marc, est-ce que tu prenais le câble? Fait que là, pour le réanimer, c'est 400. Puis pour le paletto, c'est 400. Jean-Marc répond pas, fait que... Faut que j'aille voir. Tabarnak! Ok, une chance qu'il y avait un arbre. Sacrement, il s'amuse à toucher. Hein. Jean-Marc, es-tu à l'écoute? Hey. Fait que je m'en vais sur le call, Sophie. Ok, Jean-Marc est occupé? J'en ai aucune idée, il répond pas. Ça veut dire que c'est peut-être lui. Tabarnak, ma. C'est la plus gossante des sirènes, ça, mais c'est la moins. Hein.
Il m'a tapé dessus, Joe. Qui ça? Il m'a tapé dessus, l'Américain. Ah ben tabarnak, ok. Ouais, c'est ça, celui qui veut voler, là? Ouais, celui-là. Celui-là. Celui, je sais que je suis pas sur l'hôpital, moi. Ok, on va aller à l'hôpital, on a un call à l'hôpital. C'est bon, moi c'était Jean-Marc. Oh non, une chance, c'est à lui. Il en a mangé une sacrament. Et je vois juste il, m'a il m'a coupé la route, après il m'a tapé dessus. Ok. Ah, j'ai amanché son cou, là. Ouais. Merci. Tout ça parce que je voulais pas sortir quelque chose de pas bien. Hein. Et on va te mettre de la glace sur You qui t'a frappé. Là. Ouais. On va taper au visage. Ah oui. C'est ça, jouer. T'es massacré pas peu. Hein. Oh. Mettre une coupe de plaster dans la face pour que ça arrête de saigner, des points de rapprochement. Là. Et voilà, celui-là. Celui-là. J'ai juste à pas trop sourire à soir, puis ça devrait bien tenir. Fait que ça va peut-être le temps de te faire rire. On va pouvoir se lever dans environ 3 secondes. Heureusement qu'il m'a pas arraché une dent. Ah oui. Ah, merci, Joe. Et voilà. Oh. Comme tu as pu voir, j'ai manché son cas, là. J'ai vu, tu as calissé sa tête de merde. C'est juste parce que je voulais pas sortir ça. Pas compris pourquoi il a ouvert la porte, l'enculé. Hein, comme je dis, c'est juste parce que je voulais pas sortir ouais, ça. Ouais, ouais. J'ai pas compris pourquoi il a ouvert la porte. Ah, des fois, ils sont durs à comprendre eux autres parce que... Bon, on va pouvoir recommencer. Ouais, c'est ça, j'ai vu que ça... Dès que j'ai vu le call puis j'ai essayé de te caller, j'ai vu que tu répondais pas, fait que j'ai décidé de prendre le call pour voir que c'était toi. Puis j'avais pas de pare-buf, je suis parti en urgence, ben oui. Et puis... Et là, c'est là pas que moi, il va falloir que je la répare parce que j'ai pris une coupe de poteau. Ah, et tout m'a gagné, je le change. Je change. Dis pas que je vais pas mettre du pareil parce qu'on peut plus les réparer réellement. Si, si. Ils ont remis la réparation en haut. Ah, ok. Ouais. Mais là, ils ont remis de notre réparation à nous? Oui. Ah, en ok. Haut. Tu regarderas, il y a le bouton réparer en haut. C'est bon. Le menu. Est-ce que vous prenez le câble ou je le prends? Sophie? On l'a pris à l'hôpital. Ouais, ben il t'a écrit que sur le highway, Ocean Highway. Ok, on y va parce qu'il n'est plus ici, il n'est plus là. C'est bon. Fait que vous prenez le câble? Oui. Je pense que c'est encore le même call. On est presque arrivé, ça sera pas là. Moi, je vais aller réparer ma voiture parce qu'elle a mangé une petite shake. On va y aller après, nous autres. C'est les policiers qui étaient avec nous autres qu'on a aidés il n'y a pas long. Ils ont ouais, dû avoir ouais. Un autre accident. Sophie, maintenant on peut repérer aussi à l'hôpital, hein? Oui. Thank you.
Quoi que j'ai deux Dwayne. Hein? J'ai deux fois le Dwayne. Bon. Sûrement. On arrive en ville. Considère-la en ville, ouais. Ça va être. Et voilà. Hey, t'es bon, t'es bon. Je prends le câble. On revient à l'hôpital. Hey, je te passe un meilleur driver que ça, Calis. Comment dire ça, j'ai des... Un mal de des tête. Des mal de tête. Ouais. Et on va te soigner ça, ces fesses-là que t'as frotté. Hein. Ouais, ben, je pense que t'as cogné dans le poteau. Hein. Ouais, le poteau m'a tapé, tu sais, j'ai mangé le bachot qui est dans la voiture. Là. Ah ouais. Ça fait strike. Ah, on va peut-être te soigner ça, là. Ouais. Restez pas très loin de l'hôpital, il va y avoir la police qui va arriver. C'est bon. Ouais, on arrive de 5-6 cas, fait que... Ah oui. Vous allez avoir de la fête. Ah, donc, good. Préviens tout le monde. C'est bon. Je vais aller... Dès que j'arrive à l'hôpital, je sais que Sophie puis Jean-Marc s'en viennent. Puis on vient d'avoir un petit nouveau, fait que... Ok. Et voilà ta belle petite facture, Pablo. Attends, je te la paye là-bas. Bouge pas. Tiens. Merci. Sophie, t'es à l'écoute? Oui? Il va y avoir la fête, il va y avoir des courses-poursuites direct devant l'hôpital, qu'on vient de me dire. Fait qu'on reste à l'intérieur? Ben, je vais être sur le trottoir, mais... C'est Pablo qui m'a dit ça, juste pour te dire. OK, fait que là, ça vient de... Jean-Marc, t'es-tu à l'écoute? Je pense que c'est Jean-Marc, là. Ouais. Oui, parce que l'autre, on est dans le garage. Ouais, parce que je pense qu'il y a eu des mal de tête, parce que... Ça, il a peut-être oublié d'ouvrir sa radio. Mais je pense qu'il y a eu des mal de tête aussi, parce que ça, j'ai eu le temps de revenir, réparer, aller faire Pablo, puis là, il arrive. L'autre, il est en train de s'occuper. Oh, oui. L'ambulance, était-tu à toi, Sophie? Oui, c'est à nous autres. Comme je m'en allais, nous autres, qui fallait mettre le Jeep, puis j'ai pris le Jeep. Ben oui. Il va la rentrer.
juste pas qu'il oublie de mettre tous les suppléments sur le véhicule. Oh, personne qui me regarde. Ah, c'est bien juste une dashcam, belle. On aurait voulu avoir faire de quoi j'aurais été sur Twitch. Va passer devant le central. Continue tout droit, va passer devant le central. Continue, il est en avant de toi. Tourne à droite ici à la lumière. Retourne à droite à la lumière. Puis t'es rendu, l'hôpital est en avant de toi à droite. On va regarder, c'est parce qu'on monte sous nos camions pour faire des courses. Ouais, juste à replacer l'ambulance, il y en a d'autres qui veulent se placer aussi. Ouais! Je vais déplacer ça un peu. Ouais, c'est ça, puis arrête les flashs. Oui, on est parti tellement vite. Oh oui! Ah, je te comprends. Oui, j'ai besoin des clés. Ah, t'as pas les clés? Je te laisse la placer, je te laisse les clés. Ah! Pardon, Jean-Marc? C'est quoi t'as dit, moi? C'est trop dangereux, quoi? Jamais de se garer là, au bord de l'autoroute, là, s'il suffit qu'il y en ait qui fasse une embardée, il enlève les trois voitures, plaque. Ben non. Ok. Ils sont tellement lourds, nos véhicules, que je pense pas qu'ils... À qui je donne les clés de l'ambulance? Garde-les. On va juste pas oublier ben, d'essayer sinon, avant la peinture. Avec Jean-Marc, ça va être Jean-Marc qui va aller avec toi tantôt, là. Puis tu peux les donner à Jean-Marc pour qu'il les ait aussi. Si, mettons, il t'arrive quelque chose. Il faut aller près du véhicule. Vas-y, viens vers moi, là. Ouais. Voilà, c'est bon comme ça. Vers moi, tac, vas-y, c'est bon. C'est ça. Keep Kate. De l'anglais. Écoute. J'entends pas de papa, ouais, fait qu'il est pas encore là. C'est bon, je l'ai. C'est bon. Bon. Ouais, il a déjà appris, Jean-Marc, comment faire les réanimations. Il est super bon. Oui. Puis là, il a réussi à faire les facturations, tout ça. Ouais, c'est cool. Bonjour, c'est quand même pas chez mon char. J'ai oublié de marquer sur ma feuille le terre que j'ai faite. Bah oui. Je vais le faire. T'as le temps maintenant. Dis-toi que je viens d'en faire deux, puis on s'entend que ça a été toi et Pablo que j'ai pu voir. Mais je vais juste rapprocher mon véhicule. Et là, il faudrait juste qu'on rajoute quelque chose.
Oh, c'est Ravière. Ça, c'est Ravière. Si on s'installe les ambulanciers devant nos ambulances, là, ici en avant, là, peux-tu nous prendre une photo? Ouais, ouais. Pour une fois qu'on arrête une photo de nous tous. Ben, c'est parce que nous autres, quand on la prend, elle est trop loin. Le qui finit de faire son truc qu'il fait, là, puis voici, venez me porter l'argent, je vais te leur donner ce mot. Bah oui. Les gars, placez-vous avec les ambulances. Je suis pas à 30 000 près. On va prendre une photo d'équipe. T'as peur, je m'en viens vous trouver. On prend une photo d'équipe. Comme ça. Un beau sourire. Hey, regarde l'autre bord. Aïe, aïe, par là. Ça va pas marcher, qu'est-ce que je fais? Ah. Il me stendu, ben l'air. Vous discutez de couple, pas devant nous, quand même. Oh. Hey, on veut pas être témoin de ça, nous. J'ai un sourire, pas un œil au bord. Ah, il est là. Ça va pas là, les gars, on prend une photo. Ah, monsieur Poudvin. Ah, l'unicorn qui va ouvrir, il va falloir faire l'inspection. Ouais. Alors, on va regarder la petite bête de partout, à droite, à gauche, là, on va les faire chier. Comme ça. On se place en garde, en bas des gardes. Excuse-moi, quelqu'un qui a des bandages? Oui, t'en veux combien? On fait la photo. On peut-tu faire la photo puis on vous sert tout de suite après? Bon. Sophie, tu peux-tu avancer sa ligne rouge au moins pour qu'ils soient conseillés tout égal? C'est fait, c'est envoyé dans le VPN. T'es fin. T'en voulais combien? Le problème, c'est le poteau-là qui gâche. Je sais pas, j'étais à moitié de ma vie. Ah, ouais, ben là, on avait 50 fois. Environ 4. Ouais, mais c'est pas grave, mais je sais que la photo, tu vas le voir. Dis-moi si elle est pas bonne. Le poteau tombé au milieu, c'est pas beau non plus. C'est Bernardo, c'est ça? Oui. Hein, je t'ai fait la petite facture des quatre... Oui. Oui, c'est quand même beau. Les as-tu reçus? Oui, merci. Good. Hey Joe. Ouais, à 4, tu vas monter de 48% environ. OK. Oui. Quoi? Tu sais ce qui nous manque sur notre feuille? Quoi? Vous êtes à 100%. Une case formation. Parce que là comme mettons que. Mettons que Jean-Marc qui fait. Ben, qui clique les mêmes que lui a cliqué, puis. C'est-tu nous autres qui étaient en train de. Ok. Viens avec nous. Si vous faites une intervention ensemble, façon de parler, chacun de vous, vous mettez l'intervention. Vous allez tous avoir le bonus de la même intervention. Bon. Parfait. Ben, tu sais, t'es. Parce que théoriquement, là, t'es là pour le former, tu l'aides, tu le guides, tu travailles. C'est ça. Donc, t'as le droit à ta part, toi aussi. Sinon, on fait un coup chacun, non? C'est comme non, tu veux. Non, mais t'es vraiment d'accord. Les deux. Tu sais, tu peux y en montrer un sur deux quand même, ça dérange pas, mais mettez toutes les deux l'intervention. Dans ton tableau. Dans ton petit tableau qu'on t'a montré tantôt. La grande feuille où tu mets les soins que tu fais, les interventions, le lieu, tout ça. OK. Okay. Même c'est si c'est Jean-Marc qui le fait avec toi, c'est ça mettons qu'il dit rien à moi, oui, mais tu sais, mettons que c'est Jean-Marc qui répond, puis qui s'installe, puis qui réanime la personne, tu le marques aussi parce que tu es avec lui pendant le call parce que tu apprends. En haut, tu fais ça. Ok, je ne fais pas juste en tenir un, puis je le modifie à deux fois, là, pas tout, je les fasse. Pour toutes tes faces. C'est tout un après l'autre, ouais. Okay. Et ça te calcule ta prime en direct? Ça calcule ta prime en haut. En direct, ouais. OK, parfait. Toi, ta prime montée à chaque fois que tu vas faire des cartes. C'est ça. C'est bon. Puis tu vas vendre des bandages comme ou... Comme tu vois, j'ai deux cases que j'ai pas... Que t'as pas notées? Une case que j'ai pas notée. OK, là, note-le maintenant, hein. Ouais, tu le notes quand t'as le temps. Des fois, ça peut aller ça. Après l'intervention. Parce que il y a des fois que ça enchaîne sur un méchant temps, comme tantôt, ouais, qu'on peut dire. Ça. En fait, si on connaît déjà le prix, on peut déjà facturer tout de suite si on libère On les sait après, par cœur. Et après, on remplit la feuille parce qu'on connaît les prix par cœur. Au lieu d'intervention, les soins qu'on a fait, le véhicule, si on utilise l'hélico, tout ça, et ça change le prix, quoi. Mais quand c'est du standard, on connaît les prix, donc on y va direct. Et on remplit la feuille après l'intervention, c'est pas trop méchant. Ouais. Bah,
Moi, j'ai fait des affaires de même parce qu'il m'a donné. J'ai fait une facture de 5 000 comme tu m'as demandé. C'est pour ça que tu t'aides avec la feuille. Lucky. Fait que j'ai fait comme ça serait une facture de 5 000. 1008, 1008, 1004. C'est pour ça. Ouais. Il m'a demandé parce qu'il s'enchaînait. Fais-moi une facture de 5 000. C'est ça qu'il m'a dit. Fait que j'ai installé, comme j'ai fait une facture de 5 000, mais je sais pas comment je l'ai faite. Les seuls dossiers médicaux qu'on fait, c'est quand on fait des visites professionnelles pour une aptitude quelconque. Parce que, à force d'en relever du monde, à la place de charger shot par shot, il m'a dit, charge-moi une shot de 5 000. Aussi, il faut une attestation médicale. Mais de toute façon, ma prime, ça montait à 2300, on peut dire, à cause des affaires de moi. Oui, on va attendre que ça soit une période plus calme, vraiment, là. Là, on le sait qu'il va arriver de quoi. Mais, c'est ça. Dites-vous que même si vous écrivez toutes les deux, qu'on va dire le même call, on a assez d'argent pour vous payer malgré tout, là. Ouais, oui. Parfait. Tu sais, j'ai pour mon dire que le formateur, il travaille en aidant l'autre. Ouais, c'est ça. Il bien explique, tu sais, il est là pour le guider. Puis je te protège pour pas qu'il y ait un suraccident, que puis si t'as un malaise. Des fois, il y a un patient, des fois, qu'une personne ne réussit pas, mais que l'autre réussit. Tu sais, en même temps, un duo, des fois, c'est bien. Ouais, regarde, tout à l'heure, je me suis fait taper. Je me suis fait taper par un Américain. Pour vrai, normalement, j'aime mieux quand on est deux par ambulance. Merci. J'aime mieux quand on est deux, justement, par ambulance pour éviter ça. Mais quand t'es tout seul, t'as pas le choix. Puis, je te mets pas l'interdiction d'intervenir si, mettons, t'arrives demain puis qu'on n'est pas là, là. Fais du mieux que tu peux. C'est ça. Faut prendre les éthers, faut les faire, faut sauver les gens. Ouais, c'est ça. Ouais. Si c'est pas parfait, c'est pas grave. Tu fais du mieux que tu peux. T'es en apprentissage. Tu te perfectionneras avec le temps, il n'y a pas de problème. En plus, les accidents de voiture, souvent, c'est parce qu'ils ont mal au cul, ils ont mal à la tête parce qu'ils n'ont pas cogné un poteau. Fait que... puis là, il va y avoir du gros matériel qui va arriver. Donc, on va reprendre tous notre formation complète, tout le monde. C'est ça. Ça te mettra à jour, toi aussi. Quand là, ça va être le temps, je vais vous redonner une vraie formation soir. OK, parfait. Là, monter Gislon, c'est-tu bien long, ça? Comment ça marche? Si on veut que tu débrouilles bien, tu vas monter pas le... pas policier, c'est médecin. Je te dirais que je le mettrais tout de suite, moi, ambulancier, puis que ça interagit. Tu sais, il est vraiment au top à date, là. Déjà pas pire. Faut pas qu'il oublie de se coller quand il rentre en service. Sophie. Faut juste pas oublier ça. Ouais. Sophie, j'ai trouvé le moyen pour utiliser les brancards. En fait, il faudrait mettre dans l'accueil un petit tableau comme on a en bas, là, le petit guichet. Et les gens, ils pourraient prendre le brancard. Enfin, ils pourraient prendre le fauteuil roulant comme ça. Quand ils abandonnent le fauteuil roulant, clac, c'est récupéré tout de suite. Il n'y a pas de problème de carte grise, de problème de tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ben là, ça va être réglé bientôt, fait que j'attends. Parce que si on fait comme le pupitre en bas qu'on a, le patient qui a besoin d'un fauteuil roulant, il le prend. Et puis quand il n'en a plus besoin et qu'il l'abandonne, fut. C'est récupéré puisqu'il n'est pas propriétaire. Présentement, j'attends de voir parce que quand on va changer nos façons de fonctionner avec notre nouveau matériel. C'est ça, il va avoir les chaises roulantes avec. J'attends. Ouais, mais c'est pas les mêmes. Il y en a une qui se pousse, l'autre, elle se pousse pas. Une, je sais que celle qu'on a, elle est motorisée. Voilà, celle-là. Ouais, mais celle-là, on peut pas la pousser, fait qu'on peut pas guider la personne. Moi, c'est l'autre que je veux. Faut pas qu'il parte avec. C'est sûr que si c'est un bon accident, qu'on peut dire, puis qu'on peut le mettre invalide un peu, et ça va peut-être être. Ça peut être. À ce moment-là, je fais une demande au gouvernement et je l'ai. Ouais. C'est pour éviter qu'il y ait des nouveaux EMS qui fassent le petit coon puis qu'ils donnent à n'importe qui. Ah, OK. Ouais, bien sûr. À moins qu'on le mette dans un bureau qui est moindrement haut gradé. Bon, rendu là, c'est pas grave. Quand je la demande, c'est jamais Pablo. Ça, c'est Pablo. Ouais, il a dû le connaître dans la police. Lui? Ouais, je pense que ça doit être celui qui a le plus d'argent en ville, lui. Belle petite bagnole. Ouais. Quand il se rend du trimballe en lambeau, là. Ouais, puis ils ont une île à eux, carrément, donc là... Ouais, c'est ça. Il y a du level, quoi. Allez, ouais, je suis allé sur l'île avec une bagnole de police. Ouais. Maudite chance qu'il était pas là. Vite. Ouais, exactement. Ben, je me suis pas rendu jusqu'à la maison, comprends-tu? Fait que... ben, nous autres, on a été chillés dans la piscine. Ouais, à ce moment-là, j'avais pas le doigt. Ça rentre chez nous.
ça rentre chez nous. Il y a quelqu'un chez nous. Ton fils. Tu reviens, hein, deux secondes. Non, il y a personne. J'ai rien vu. Oh, je vous regardais, messieurs. Je regardais vos beaux yeux. Tu enlèves le nez, ça, j'ai les yeux qui saccadent. C'est OK, il y a la voiture noire devant. Moi, je ris parce que les policiers courent partout en ville, ils cherchent. Puis, il est là. Quoi, il... c'est lui qui poursuivait? Oui. Oh, je pensais que c'était Pablo. Ben, moi tout, j'étais sûr. Ben, je pense que c'est les c'est deux, vraiment... là, mais... Ouais, probable, parce qu'il y a vraiment le lambeau qui est passé, là, celui-là. Ah ouais, la lambeau, on sait tout ouais. que c'est Pablo, là. Ouais, ben, ses couleurs affichent tout. Check. Il y en a un, je sais pas c'est lequel, là, il se promène à Rolls-Royce, c'est ça que c'est un SUV Rolls-Royce en or. Ça appartient à Mafia. Je pense que c'est Lucky. C'est peut-être Lucky ou peut-être celui qui est derrière. Là. Ah ouais, je pense que c'est Lucky. Ouais, je pense que c'est ça, Lucky. Ouais, je l'ai pourchassé une fois. Hein. Ouais. Il a réussi à m'échapper et il a plongé. J'ai plongé tout de suite après dans le lac, puis. Je me suis naillé, j'étais pas capable de remonter à la surface. C'est qui m'a là là. Ah, oh, j'ai rien. Merci. T'as plongé d'un lac? Ouais, ouais, à Marina. Oh. Ok, c'est toi qu'on avait été chercher cette fois-là? Non, 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 justement, il y avait aucun MS. C'est là que j'ai décidé de... Ah ben, ma amie travaille au Unicorn. Ok, c'est elle, Eulalie. Oui, c'est mamie. Ok, je me demandais c'était qui, Eulalie. Ah oh, mince, elle travaille là-bas? Ben, je vais voir ça. Mince. Elle aurait fait un bon EMS. Elle m'a porté secours un jour quand j'étais coincé dans le Mouchiliad. J'espère que c'est pas elle qui danse. C'est elle qui m'a ramené. C'est plate à dire, mais j'espère que c'est pas elle qui danse. Ouais. Ah, oh, ce sont déjà écœurés de te suivre, toi? Ça a l'air là, par la montre, t'as vu? Ah oh, oui, ils ont pu le rassurer. Ah, il s'en vient, il s'en vient! Attention! C'est que. Ils nous suivent pas. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Ils sont trop nuls. Ils sont pas bons. Oh. Derrière. Ah, juste derrière, ouais. Si, mais ils n'ont pas les coronets pour venir nous voir. Oh, oh! Et c'est reparti pour un autre tour. Je pense que ça va être dans même de la nuit. Ça va ressembler à ça. Ça arrive souvent. Hey, tiens là, toi! Tu trouves pas que c'est un peu dangereux d'être en plein milieu de la rue? Non, non, c'est ça le but. C'était qui, c'était ben, Vanessa? C'est pas le Unicorn? Ah, peut-être. Ouais, ben, le meilleur café. Quoi, Yvan, étais-tu ici, toi? Quoi? Ben, c'est lui qui était là tantôt, en uniforme, là. Ouais, c'est Unicorn, ça. J'en ai aucune collée d'idée, je l'ai même pas vu. Les Unicorns sont habillés en rose, eux autres. Ouais, d'habitude, ouais. Vous voulez quelque chose ou quoi? Ben, je voulais aller les voir, mais là, il est trop tard. On peut comme pas vraiment s'éloigner présentement. Non, mais je vais les amener ici. Ce que vous voulez. Là, il y a des bons bas de pilote. Ah ouais? Ouais, t'en veux-tu? Ouais, j'en veux 5. Des quoi? J'en veux 5. Des pilotes. Ah ouais? Ok. Il y a quelqu'un qui veut quelque chose. Bon, c'est moi, dans votre commande, là, je vais l'appeler. C'est quoi? Elle dit qu'il nous amène un ou deux verres, je vais essayer ça. Ouais, je veux bien essayer, moi. Ben oui, ça coûte, ça. Moi, je suis en service, je peux pas me saouler. Non, mais on les prendra pas pendant qu'on est en service dans le jeu, là. Mais on va les prendre tantôt. C'est quoi, du peanut? C'est des... Des arachides. Ah ouais, ça, j'aime bien ça. Fait que Sophie, tu payes la facture, tu peux me donner.
Voilà, il y a une voiture qui vient de se cacher des buissons là. Ah non. Ah, il est rentré dans le buisson et il s'est barré. Ouais, parce qu'il vient de voir si il y a du monde de caché là. Ça arrive souvent. Mais imagine que je suis en train de pisser, le mec il te défonce. C'est ça. Il a la paresse de descendre. 5 breuvages d'alcool de toutes les sortes que t'as. 5 fois. Avec 20 bols de peanuts. Avec 20 bols de bonbons. Ben, en fait, là, amène 5 fois tous les breuvages que t'as. Puis 10 fois tous les trucs que t'as mangé. Oui. Je vais aller le monter tout de suite, lui. Faut que j'aille me changer, Joe. Ok, tu viens de le voir? Ouais, ça vient d'apparaître. Je viens de voir ça. De quoi ça? Ah, ben, je viens de le mettre en blanchier. Ah! Fait que ta paye va être un peu plus haute. Moi, si je vais être en blanchier, s'il vous plaît. Ah, toi, là, t'as un casier judiciaire, je peux pas. Non, c'est pas vrai. Non, c'est vrai, t'as juste frappé un agent de l'État. Ouais. C'est ça, juste ça. Un casier judiciaire, puis il y a son PPA. Hein? Attention, il y a un sac. Et ah, voilà. Si, le sac à bon idiot. Papa, tu l'avais dit, fais attention, il y avait un sac qui s'en venait. Ah, ben là, que moi, je peux pas monoter. Non, ben viens ici, moi, je peux faire un test. Ah, non, toi, je sais que ça marche. Ah, Dwayne, wait, tu peux me suivre. Ouais, comme je dis, Dwayne, tu peux me suivre si tu veux. On va aller changer ta couleur de gilet, de sac. Je me rappelle même plus sur quelle couleur les ambulanciers. On va aller voir sur VPN. Ah, il est là sur VPN. Fait que tu peux garder le même gilet, mais en rouge. Je peux mettre en chandail noir puis sac rouge. T'as-tu compris? Ouais, j'ai compris. Fait que le rouge, il est tellement pétant de ton gilet qu'on peut dire que des fois, c'est dur sur les yeux. Ça, c'est bien la veste, hein? Ben, je pense que t'as le t-shirt. Faut juste que tu te déplaces, par contre, parce que je me vois pas dans le miroir. Ouais, c'était juste le... Ok. Ouais, tu peux juste changer la couleur pour soit rouge, soit noir. Pas peut dire, mais tu mets ton sac rouge. Okay. On change la couleur roux avec la texture? Ouais, c'est ça. Ouais, il n'y a pas rouge. Ben, il y a un genre de rouge bourgogne, qu'on peut dire. Sinon, tu peux te mettre noir, comme qu'on disait, mais ton sac... Tu mets ta texture dans le rouge, je peux pas dire. Ok, puis mon sac. 2 secondes, juste voir un truc là. Si tu peux. Le sac, tu pourrais le mettre aussi le 95. C'est juste qu'il est fermé à place d'en avoir un ouvert. Comme ça, ça va? Oui. Joe, il est en train de changer les vêtements à Dwayne parce qu'il Oui, il est super beau celui-là. Au lieu du
qu'au moins, t'as-tu modifié ta tenue juste pour pas avoir l'appart? Non, elle est pas enregistrée. Moi, ouais, c'est ça, enregistre là, juste, on dirait tout d'un coup qu'à un moment donné, t'es pas en service puis que tu t'en reviens en service, là. Quelque chose là-dedans. Moi. Bon, rien de bon. C'est bon. C'est bon. C'est fait. Ouais, c'est ça. J'essaie d'en mettre le moins possible dans le genre de truc-là parce que ça se peut qu'on change d'hôpital à un moment donné. Y a-t-il un autre hôpital dans la ville? Il va peut-être en avoir un autre, oui. OK. Proche de l'autoroute, proche du Pacifique, on peut dire, là. Il y a aucun genre de... Voyons, il y a un poste d'essence, on serait dans ce coin-là, que j'ai pu entendre, qu'on va peut-être aller. OK. On va plus loin de la ville. Ouais, c'est ça. J'ai entendu ça par des sources sûres. Le gars est arrivé en moto. Puis Blanche-Neige est arrivée, puis elle a commencé à couper le sucre avec la moto. Fait que le gars est tombé en bas de sa moto. Puis là, Blanche-Neige, je trouvais ça drôle. C'est déjà minuit. Ouais. Fait que moi aussi. Mais le gars, il débarque de la moto, il se relève, il part après Blanche-Neige, puis il colle sur le coin dans la face de Blanche-Neige. Puis quel homme c'est lui? Moi, je me suis fait rabattre, j'ai écrit ça. Tu l'as battu, non? Quand il était rendu plus loin, j'ai sorti mon gun, puis j'ai tiré dessus. Ouais, normal. Tu l'as abattu comme un chien. Petite fille, pauvre petite. Blanche-Neige, elle vient me voir, puis elle savait qu'elle me dit, elle me dit. Pour le con, regarde le choc qu'ils ont fait là-bas au fond. Oh là là. Oh là là. Ils se sont tapés, mes méchants, hein. Ils ont fait carreau sur place, là. Et ça repart. C'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi, c'est. Fait que là, dans le fond, fait que là, j'ai montré un peu à se battre, comment se battre pour réussir à crisser une balle à quelqu'un. OK. Fait que là, j'ai montré le pouvoir du dragon. C'est quoi, ça? Dans le fond, j'ai montré un peu, puis après ça, elle a assis sur le policier. Mais dans le fond, je vais te montrer c'est quoi. Ouais. J'ai-tu besoin de mon extincteur, là? Faut-il qu'il vienne encore jouer ici? Tu fais ça même, puis rendu même, ben tu fais dragon feu. Là, ben, go, passe au feu. Ah! Ça peut pouvoir te montrer. Bon, je vais vous quitter, moi, je vais refaire un petit dodo. D'accord. Je te souhaite une bonne nuit. Il est quand même déjà rendu minuit. Oh, tabarnak. Ouais, ça plaît. Oui, oui. Bonne soirée. Ça plaît, ça. Bonne. Fait que demain, tu sais comment faire. Bonne soirée, tu vas être en service, puis... Ouais, tu dis ton matricule, puis tu dis en service tout d'un coup qu'il y a quelqu'un. C'est ça. Là, si t'as besoin sur le VPN, on peut te répondre. Parfait. Si on est pas là. Tu peux aller dormir dans le vestiaire. Hein. Moi, c'est là que je vais dormir. Tu peux dormir ici, il n'y a pas de problème. Mais comme je dis, il faut tout le temps s'arrêter tes véhicules. Ouais, ouais, c'est bien. Ça évite d'avoir des mauvais réveils. Parce que dans le garage et partout, des fois, on tombe. Regarde, Joe, viens avec moi, je vais te donner les clés du Yukon et ça. Ah, OK. Mais c'est moi qui est là. Ouais, c'est ça, c'était Sophie. Je pense que c'est celui à Sophie. Ouais? Ben oui, c'est moi qui est là. C'est l'ambulance que je pense qu'on n'a pas. C'est moi, je l'ai. Ah, ok, toi, tu l'as, mais. Tu me l'as donné. Ouais, tout est bon. Fait que tu peux aller faire de dos tranquille. Tu peux aller faire de dos en paix. Parfait. Je m'en vais dans le. Tes véhicules, tu vas pouvoir les approcher en bas ici après. Ouais, c'est ça, il y a un parking juste derrière. C'est ça. Salut. Bye. Salut. Quoi, il est-tu nu à pied ou? C'est du monde qui sont venus de porter. Ah. Il est pas peureux, hein, en plein milieu de la route. Moi, j'ai pas peur de Pablo. J'ai peur des autres. C'est ça. C'est les policiers qui me font peur. Check-le. Fait que c'est ça, fait que j'ai appris à se battre. Fait que là, elle est arrivée au mécano, puis là, ben, elle a commencé à faire ça sur le mécano, mais j'ai dit que tu faisais seulement sur les personnes qui t'écœuraient, pas ceux-là qui t'écœurent pas. C'est ça qui est arrivé quand ça a pris feu tantôt, ouais, dans le fond. Ouais, c'est ça, ça plaît ça. Pendant que t'as essayé de sortir ton extincteur.
Oui. Ah, bonjour, mademoiselle. Vous n'êtes pas peureux de rester sur le bord de la rue comme ça? Ouais, ben, on se cache un peu où il y a les véhicules, au moins. Ça nous fait quoi regarder? Ben oui, je trouve que c'est un bon show. Ben oui. Je dis qu'il doit pas être content. En tout cas, il y en a pour un bout pour essayer de le pogner. C'est la nouvelle blonde à Jean-Marc ou quoi? Je sais pas, c'est une nouvelle arrivante. La mère va se taper. Oh, oh, oh! Allez, Jean-Marc, allez! Tu sais, je suis pas en train de chuchoter, je suis en train de crier BF. En oh, plus. Tantôt, elle arrive, elle dit ouais, elle dit là, faut que j'essaie de trouver la personne qui me rentre dedans. Elle me décrit le véhicule. Ah, je vois si le véhicule c'est à Lucky. Alors, elle dit je vais aller casser les câbles. Je regarde, je fais ouais. Je sais pas dans quel pied tu vas te mettre là. J'ai expliqué. Ouais, mais quand tu connais pas c'est qui les personnes en ville, c'est ça, ouais, hein? Ouais, je sais, mais j'ai expliqué, pis tout, pis arrive à fait. Ah, Azaki, elle dit c'est bon, bon, tu vas faire ma gueule. Tu marques le canal que tu as entre toi que tu as. Ben, j'ai donné 2000 piastres pour payer sa facture à réparation de moto. N'importe qui, les amis ou n'importe qui. Tu mets le numéro que vous avez choisi, donc ça peut être n'importe quel chiffre, un point, n'importe quel chiffre. Plus le chiffre est compliqué, plus ça sera dur à trouver, bien sûr. Et après, tu valides la fréquence. Ça va te montrer une lumière verte sur le côté à droite qui va te dire vous êtes bien sur telle fréquence. Ça fait du bien d'avoir un peu de calme. Et puis à ce moment-là, je pense que tu vas avoir juste ton argent demain. Je suis en train d'avoir une confirmation. C'est bon. Je devrais arriver vers environ 10h soir, demain soir. Hein. Vers 9h30 le soir. Oh, c'est ça, mais j'aime mieux dire 10h puis être sûr et certain que je suis là. Quand tu appuies sur le bouton à côté de la poche. Oh, je pense que ce sont déjà tannés parce qu'il est parqué là. Ça en vient écœuré. Normalement, dans l'oreillette, tu entends touloulou, touloulou, comme ça. Ça bouge en masse? Non, je trouve ça tranquille, moi. J'ai regardé quasiment le show, là, les chars, vioum, vioum, vioum. Ouais, ça en a un qui nous faisait courir. Hey, un habitué! On reconnaît le chat. Ouais. Le nouveau vient d'aller se coucher, là. Il est déjà rasé ambulancier. Okay. On l'a monté de cette grade. Ah ouais, c'est bon. Ben oui, fait que là, il peut faire ses interventions par lui-même. S'il est tout seul, il n'y a pas de problème. Il connaît pas mal. Je pense qu'il a pas mal appris hier soir, hein? Écoute, il a été. On est encore en train de faire l'entrevue, puis déjà j'avais 3 calls. Puis Jean-Marc était sur 1. Puis là, ben Joe était parti sur 1, fait que j'étais obligée de faire OK, on arrête l'entrevue, on y va. C'est qui ça, Thomas 13 ans? C'est pas Thomas, ça? Laisse-moi juste 30 secondes. OK, je te vous. Parce qu'il fallait que. Non, je parle sur ton chat. J'ai changé de lunettes, là. Hein? Donc, fallait que je ferme ça. OK. Ouais. Vous êtes pas en manque de bandages, là? Non, ben, je vais checker, là, mais je pense pas, peut-être. Okay. Je sais pas. Moi, je t'en manque, je l'ai juste 111. Ben, j'en ai passé une coupe tantôt. Là, ben, je te crée. J'en ai eu besoin, Ah ben moi, là, je peux te dire que la descente de la montagne, là, on en a avalé du sable, mon ami. J'avais l'impression d'être, quand j'étais jeune, que je déballais les montagnes en roulant, là, mais avec le sable qui rentre jusque dans le fond de la gorge. La mademoiselle qui est là, c'est pas la nouvelle, là? Oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. J'ai cru la reconnaître. Elle est pas avec sa sœur? Je ne savais pas si elle avait une sœur, par exemple. Ben oui, elle a une sœur. Ils sont venus poser des questions au poste hier. Ouais, ben moi, ben, tantôt, elle est venue me voir, elle est venue me parler, je me suis présentée, tout ça. Je mangeais un petit peu. Là.
Ben oui, vas-y, garde-toi. Moi, ça a l'air, j'attends une grosse commande du unicorn. Ça va, Ben? Bonsoir. Ben? 22. Ah, 22, ouais. 22. Ah ouais, une grosse commande du unicorn. Ouais. Une commande de quoi? Ben, mon fils, il a fait une grosse commande, puis il a dit que la facture est à moi. Ah, c'est bon? Ben, qu'est-ce que tu vas acheter au unicorn, à part des prostituées, puis... Ben, plein d'alcool, puis des peanuts, puis des bonbons, puis des chips. Ah, OK. Ben ouais, c'est sûr. Tu vas... J'ai oublié de commander des peanuts. T'as envie de boire avant des interventions. Ben, il est énervé, là. Non, ben, ça l'énerve, ce que vous lui dites. C'est pour quand on va être hors service, quand même. Ben, il est énervé, là. Ah, OK. Ça existe, ça? OK. Pas cher, toi, de moi, je pourrais pas sentir. Ah, oui. Nous, on a l'habitude. Ça arrive-tu qu'on est hors service? Oui. Pas souvent. Je pense à faire mon petit tour avant mon dodo. Hein? Parce que le commandant est fatigué. Il est arrivé de bonne heure encore un matin. Mm-hmm. Oh, il est fatigué. Il travaille fort. Ouais, il a fait bien de la paperasse aujourd'hui. Hey! Hey, tu vois, monsieur, là, en jogging, là, c'est lui qui a crissé une volée au gars qui est arrivé ici l'autre fois. Ah, ouais? Ah, oui, j'ai quelqu'un qui est arrivé ici. T'as de la gomme en dessous du pied, Lorenzo. Attention! Oh, là, qu'est-ce qui se passe, là? Lorenzo! Ouais, arrêtez-vous. Il est allé l'attaquer, fait que. Arrêtez. J'ai une crise d'épilepsie, je pense, c'est ça. Tant mieux. Il y avait ça pour frapper les... Puis, mademoiselle, comment ça se passe? Je vous dirais que ça se passe bien, merci. Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez? Oui. Ben, j'ai pas de mémoire. Ouais, le commandant, il oublie des affaires, mais pas toutes. Oui, il oublie ce qu'il veut bien oublier. Je cherchais pas mal d'affaires, fait que... Non, mais qu'est-ce que ça concerne les femmes? Ouais, c'est ça. Ah, ben c'est correct, si vous vous plaisez. Puis, avez-vous envoyé votre petit courriel à la ville là, pour avoir un garage? Puis tout? Ouais, c'est fait. C'est bon. J'ai pas le garage, non? Ça va arriver. Dis donc, t'en sais donc bien des affaires, mon Jean-Marc. Oui, j'ai inventé dans un garage pour hommes, mais ils ont pas ouais? Pu. Ouais, renseignements généraux. Ah ouais. Ouais. Ouais, c'est la première intéressée, je dirais. Ouais. Hein? Et où ta soeur? J'ai acheté ma première moto. Ah ouais, puis ça a l'air de quoi? Ouais. Oh ben écoute, je me suis tellement ennuyé d'enfourcher ça que, regarde, il n'y a pas de problème. J'ai acheté une petite red bike. Ah, oh, ouais. Wow. Là, t'es tapé. Où t'as parqué ça? Ici, à côté. OK, c'est moi qui parle la mémoire, puis c'est toi qui te souviens plus? Non, mais c'est parce que j'ai l'impression que ça me mélange un peu, les histoires de parking. Ben non, mais si tu parques à une place, tu peux pas l'avoir à une autre place, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Tu peux juste l'avoir à la place que tu as parqué. C'est ça. Oh, tu dois te souvenir où tu l'as mis. Mais après, sur ton téléphone, tu as parking, tu vois où sont les véhicules. Parce que ils te disent le nom du parking. Le même parking. Mais... Sur ton téléphone? Ouais. Ouais, il y a un petit... Souvent, il y a un petit... L'application parking en bleu. Garant. Tu vois la petite voiture, tu cliques dessus et ça te dit où sont tes véhicules. Hey, policier, vous voulez-tu vous battre? Vous voulez vous battre, c'est ça? Ouais. Ouais, garage. Vous avez dit, vous voulez vous battre? Ouais, je mets 1000$ à la table et je te crée ce volet à le retour. Si tu l'as, ouais, si tu l'as pas, ouvre ton application à. Faut télécharger. Apple Store, là, puis va le service. Je peux pas faire ça, monsieur. Ouais. Ok, mais enlève ton gilet pare-balles et tes armes, tu seras pas en service. Cherche quoi? Garage. Le problème, c'est que je dois aller au poste, puis revenir ici. Ah là là, la grosse patate, là, c'est... Faire un bouton bleu supplémentaire, c'est ça. Et là, tu trouves direct toutes tes voitures. Toutes tes motos, tous tes véhicules, il te dit où c'est tout égaré. Après ça, ils vont dire que je frappe mon fils. Ah, le commandant, vous ne savez pas les voyages? Des plaintes qui fassent des plaintes à des PJ. Hein. Hey, c'est pas toi que je veux frapper. C'est une tosse sale, ça.
Mademoiselle. Ah ben, y en a-tu à vendre? Ça, oui, j'en ai vu, mais j'ai pas trouvé le blaze pour le prix. Ah, le vendeur, ah, ok. Non, mais c'est pas ça. On sait pas comment il s'appelle. C'est ça, on n'a pas trouvé le blaze, on a tout essayé et on n'a pas trouvé le bateau. Je vais m'informer. Je vais aller faire de dos parce que j'ai quand même fait une grosse journée. Je vais aller faire de dos. Mais demain, tu vas sûrement être là, je m'imagine. Qui, commandant? Ben, la mademoiselle aussi, elle va être là. Oui. Fait qu'elle a juste à passer me voir, puis je vais tout te dire. Je vais essayer de donner sa réponse demain. Merci. Est-ce que ça vous va, mademoiselle? Oui. Ben, tu pourrais me dire non, que ça ne changera pas grand-chose, là, mais... mais non, c'est pas ça. Je pourrais dire aussi, j'écoutais pas. Ah, bon. Okay. Non, ben, c'est bon. Parce que... Ah, ouais, c'est comme ça que ça se passe. Fait que là, si jamais tu fais une infraction, puis tu t'excuses long comme le bras... Là, je vais dire, ah, excuse, je t'écoutais pas. Ouais. Il est idiot, le commandant. Ah, mais. Peut-être que vous en souviendrez plus. Non. Ah, il y a une mémoire d'éléphant. Ah, ouais. Quoi? Quand je t'arrête une fois, là, je vais me rappeler de tout pour la mémoire rêve. D'éléphant. Mais là, vous m'avez pas arrêté, puis vous vous souvenez de moi. En fait, c'est que le commandant il arrête pas grand monde. C'est lui qui se fait arrêter dans les arbres et dans les réverbères. Merci. Ben ouais, mais ça. Ben ouais, mais là. Ouais, quand même, Jean-Marc, s'il vous plaît. J'ai le droit au bousoiement. T'es mon ami, toi, en plus? Oui. Des fois. Ouais. J'ai le droit au bousoiement. Ça sera pas long, là, je vais y repenser. Bonjour. Il y a des sacs qui volent. Hein? C'est. Je connais pas vous. Lorenzo, il s'en vient. J'ai pas de papier, je suis clandestin. Ah, ok. Quoi qu'il prend son téléphone? Allez, prends la photo. Il y a une table avec des outils, tu peux les réparer toi-même. Tu peux y aller lui montrer? Bah oui. Ok. Tu veux que je te montre? Oui. Allez. Oh, ça m'arrive de donner une idée pas du monde. Amène-la avec toi. Prends l'ambulance, amène-la, tu vas pouvoir la réparer en même temps. De quoi l'ambulance? Ouais, bah oui. Bon, on peut la réparer en bas, nous. C'est souvent. Ah! Des maudits sacs qui volent, hein? Maudits sacs. Jean-Marc qui va aller te montrer ça, puis le commandant, lui, va aller faire de dos. Fait qu'on vous dit de rester sage. Oh, c'est jamais je ferais ça. Fait que, bonne dispo. C'est là qu'on va commencer ses niaiseries. Non, non, mais j'ai rien fait. Un moi. Sac sur la tête. J'ai dit bonne nuit, je suis gentil. Ouais, ouais. Non, les sacs ici, les sacs à village. Je vous dis bonne nuit, bien content de vous avoir vu aujourd'hui. Bonne nuit, Zippo. Bonne nuit, Zippo, à demain. On se verra demain en espérant que demain elle va être une meilleure journée qu'aujourd'hui. C'était quand même bonne, là, mais. Ben oui. Oh oui. Pas bien été. Que tu voleras pas trop avec tes autos demain, hein? Tu ouais, voles ouais, beaucoup aujourd'hui. Ouais. Tu ne t'assois pas des sacs ouais, poubelles ouais, non plus à la tête, hein? Ouais. Il y a beaucoup de sacs qui revolent ici, ça a l'air. Ouais. Ouais, ça doit pire à l'hôpital. Demain, à mes collègues, ils sont sur. Ils sont après un véhicule, là. Et après ça, le commandant s'en fait de l'eau. Ok, là! Fait que je vous dis bonne nuit, puis soyez sages. Bonne nuit. Bonne nuit, commandant. Ouais, c'est bon. Je vais dire comme je dirais tout le temps, si vous faites le mal, faites le bien. C'est bon, je vais faire ça demain. Si vous faites le mal, faites-le pas. Ah, c'est... Ouais, c'est vrai. Si vous faites mal, faites-le pas. Ben oui, c'est vrai. Ouais, je suis d'accord avec vous. C'est excellent, hein, comme ça. Ouais. Fait que passez une bonne nuit, mes bye amis. Bye bye. Ouais, bonne nuit, Zippo. Toi aussi, Zippo. Dors bien, les deux. Fait que je reviens faire à soir, je fais tout mal. Je vais aller vous rejoindre, là, puis après ça, je m'en couche. Tu peux y aller. Ah, ben, on a le temps d'aller au Unicorn, nous autres. Oh, oui. Unicorn s'en vient. Ah, il s'en vient. Il c'est long, Chris. Ah, ouais, t'as fait. Ah, il est là. Ah, il est là aussi. Ah, voilà, il est là. Allez. Tu vas me chaler? J'étais pour dire, oh, il va. Je vais te le mettre sur le GPS. Tu vas me chaler, puis je te montre. Au moment, j'ai meilleur café en ville.
Hello. Votre truc là, c'est pas la bonne marque. HSC. On a juste ça. Vous avez le meilleur café en ville, c'est ça? C'est Sophie qui va prendre la facture puis la commande ça va elle. Attends une minute. C'est-tu... qu'est-ce qu'elle a de temps? Moi non plus. Vous avez jamais fait ça, les gars? Non, pas jamais. Allez dans votre septième... regardez votre septième poche, là. Ah, y'a rien. OK, il y a un système normalement de création okay, ouais. pour les factures. Puis à partir de là, vous devez pouvoir la faire. Fait que c'est à qui je la donne? C'est Sophie. Moi. Okay. Ah, y a normalement, tu veux ça à prendre le stock, Joe, puis... je fais pas mal déjà. Mettez la tête, je vais juste checker, voir c'est quoi que vous avez amené. Oh, tabarnak de coller, c'est bien des breuvages. Ouais. Ouais, c'est ça, je suis déjà pesant que je sais que j'ai des poches. C'est ça qu'il y avait pour manger. What? Ouais. Pour l'instant. Ok, ok. Peut-être qu'il va avoir d'autres. Pas vrai, tu vas pas te faire plaquer, toi? Pain? Oui. Parfait. La facture, est-ce que je l'ai eu? Oui. Ok, c'est bon. Mais la prochaine fois, je vais juste éviter d'accoucher sur place ici, ok? Oui. Parce que ça fait beaucoup mal à mon portefeuille. Oh, ok. Mais pas mon portefeuille, mais un portefeuille d'une autre personne. Ok. Ok, ouais, ça se prend direct? Non, mais... En tout cas, bien sûr. Parce que, en fait, le territoire, là, c'est plus mon territoire. Je l'ai vendu. Ok. À un gang. Puis, le gang, ben, le territoire, quand tu frappes quelqu'un, tu tues une personne sur le territoire, ça fait descendre le pourcentage du territoire. Oh, ok. C'est ben, bon, je le ferai plus. Ça, ben, la personne qui a le territoire, ben, il y a une alerte, puis le territoire, il appartient justement aux deux personnes qui étaient devant ta maman. Ah, ok. Ouais. C'est bon. Ben, la fois, je vais juste t'envoyer une photo, puis tu vas comprendre. Ah oh, oui, envoie-moi les OP VPN. Par courrier. Le long tu m'as trouvé, c'est ça? Attends, je pense que tu devrais trouver que ça. Merci les gars! Tu vois, je t'ai envoyé ça. Tout ce qui est en pêche, c'est moi. Ok. Tout ce qui est en rose, c'est eux autres, pis... Ouais. C'est bon. Fait que c'est ça. Fait que s'il me frappe, c'est correct, mais sinon, tu sais, non. Ouais, c'est ça. Ben, si il te frappe, essaye le plus possible de l'éviter. Ben, si tu vois que t'es préparé, ben, frappe plus, pis c'est tout, là. C'est bon. C'est ça. Je m'en fous, c'est pas ma zone. Fait que moi, je m'en fous ce que tu fais. Tu veux décocher tout le monde, t'as même pas ce que tu veux. Mais après ça, si t'as dit ça à nuit par du monde, c'est ça. C'est good. Azo, je les connais, ils font pas de mal. Ben, ouais, il y en a-tu qui peuvent me faire mal? Réellement? Non, sans mieux pas. C'est ça, hein? Ah, hey, les gars, je vais vous aider. Oh, yeah. Non, c'était pas ça. Non. Oui, tu voulais pas avoir un verre pour hésiter? On embarque, let's go. Moi, ça? Ouais. Faut bien essayer, mais il faut juste pas partir sur un call aussi vite, dans le genre. Je t'en donne un check, hein? Tabarnak, t'es médo bébé. Ah, je m'excuse, je pensais que c'était en haut. Allez, je prendrai pas les mains tout de suite, puis tantôt je goûterai à mon tour. Je prends-en un cup, puis on va. Ouais, c'était mon but. C'est bon, il n'y a plus rien dans le sac.
sais, j'ai remarqué ça. Je t'expliquerai tout plus tard. Pour qu'il vienne me voir là? Ça va me prendre 60 000, parce que moi, il va pas que je vienne. Ma mère à la maison, elle fait pas trop là. Moi, je vais aller. La durée, on le voit pas comme à terre. Tu vas aller serrer ton véhicule? Ouais, c'est ça, au moins. Au moins le Tao. Bon, bonne nuit, moi je suis parti. Mais bonne nuit. Oh, ça dure pas longtemps. Oups, désolé, désolé. Vas-y. Hey. Sophie. Gars, c'est quoi? C'est qu'il y a dans le sac, là. Merci, merci. Ça, ça dure vraiment pas longtemps. Non, ça, grossièrement, c'est pas plus qu'une minute. Fait que t'es correct. Tu parles de là à ton ami, si tu veux. Ah, ben t'as peur, j'ai oublié, j'ai autre chose. Dans l'autre sac, je t'ai mis des pinottes. Ah, j'ai rien vu dans le premier déjà. Et il doit être plus bas. Non, je les ai mis plus haut, là. Les as-tu pris? Ben, il les a j'ai pas trouvé dans le premier. Quand j'ai ouvert, il n'y avait rien dedans. Ben, il est en plein centre. Il est en plein centre du sac. Je vois rien. Ah si, je vois, ça y est, ça apparaît. Ah c'est ça, il est un peu beau. Ouais, c'est ça, je m'excuse. Ok, merci patronne. Ouais, puis là, je remercie ici, parfait. De quoi? Il y a des peanuts. Ouais. Regarde plus haut, regarde plus haut. Oui. Là, il les a vraiment mis en haut. Ah oh, ouais, vous pouvez garder ce qu'il y a dedans, là. Non, ça touche pas à ça. C'est nourriture, madame. Elle en a pas de trop. J'ai un peu dépanné, mais elle en a pas de trop. Mais moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de sandwichs. Si vous voulez, j'en ai près de 200-300. Ils sont en bas, en voulez-vous? Ça nous... Ben, il y a plein de bouffe dans le sac. Ben oui, je sais. Quoi, ce sac-là? Les pizzas, puis le tabac, là. Prenez-les, ça soit okay. Tabou. Merci. On est comme ça, nous. Vous êtes vraiment... Ah ben, vous êtes vraiment cool. Oui, oui. Ah ben, attends. Regardez, je vais vous donner un truc. Voyons-nous. J'ai une gentille petite demoiselle tantôt, elle m'a donné ceci. Attends un peu. Blanche, elle a déjà rencontré. Wow!
Et voilà. Regardez, j'ai quand même donné un petit neuf sandwich en plus. Là. Ah, moi j'ai donné un bonbon que la petite fille ne m'avait pas. Pourquoi j'en avais dans les poches? J'ai mangé un tantôt, mais là je veux pas trop manger de bonbons. Ouais, ça fait mal aux gentils. Ben ouais. Ah, moi je vais aller faire dodo. Pareillement. Bonne nuit, Sophie. Bonne nuit, Jo. On se revoit demain? Ouais. Ok. Ok, il n'y a pas de soucis. Sûrement tu vas revoir le nouveau de Bail et de Vrain. Ouais. Il a quitté la police pour venir nous aider. Ouais, c'est ouais, parce qu'il trouvait qu'on était pas assez. Pourquoi je suis pas capable de ramasser les pizzas? Tiens, vas-y, prends-les. Je te les laisse. Ouais. Ah ben, moi, je vais. Ben, pourtant, non, il n'y a pas de pizza là-dedans. Si, si, il y a des pizzas, là. Il y en a en plein centre, 2, 6. Ouais, plein centre. Ah, je viens de comprendre. Tu peux les mettre tous sur le même... la même... Barre pas le bureau, Sophie. C'est bon, je sors de bord. Pas tout? Ben non. Comment qu'ils soient dans le nord? Non. Ils ont tous été couchés. Ouais, pis si tu regardes, en marque, il n'y a plus de policiers, donc ça devrait rester hyper calme. Disclap, merci Sophie.